personne. Oui, bonsoir. Il y a une personne qui m'avait posé une question, je ne savais pas quoi lui répondre. Lorsque Jésus était à la croix, à un moment donné, il a dit « Eli, Eli, la sabachthani ?» Je veux dire, « Dieu, Dieu, m'as-tu oublié ?» Pourquoi m'as-tu abandonné ? Et puis, il m'a demandé comment ça se fait que si Jésus est Dieu, comment ça se fait qu'il demande, c'est qu'il se questionne en fait. C'est sûr que ça peut porter à confusion parce qu'on se dit comment peut-on dire qu'il est Dieu en même temps il parle à quelqu'un qui est là-haut et qui croit en la Trinité? Lève les mains. Tu crois en la Trinité, ma soeur? Oui. Tu crois en la Trinité? D'accord, c'est bien. On va partager ce soir sur la Trinité justement. Ok, la Trinité. Donc, qu'est-ce que la Trinité? Ça vous intéresse tout ça, non? Ça change un peu hein, de recevoir. Ok. Bon, la Trinité. Qui pense que connaître Dieu est la chose la plus importante dans la vie d'une personne? On est d'accord, hein? Ok. Comment voulez-vous adorer un Dieu que vous ne connaissez pas? Jésus dit quoi dans Jean? Regardez, Jean 14. Je crois que ça va être l'enseignement ce soir. Parce que c'est la base. S'il y a autant de problèmes dans nos églises, c'est parce que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas Dieu. Et c'est un drame, c'est un fléau. Jean chapitre 14, nous connaissons cette histoire. C'est la rencontre de la femme samaritaine et Yeshua. Yeshua rencontre cette femme. Et qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Au verset 22, quelqu'un peut le lire? Jean 4, 22. Jean 4? Jean chapitre 4, pardon. Excusez-moi, c'est moi. Jean chapitre 4, pardon. Verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. On va donner le micro, mon frère. Merci pour ton aide. Jean 4, 22. Ok. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Ok. Vous adorez, vous, ce que vous ne connaissez pas. Et c'est le problème de nos assemblées aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens, même pour ceux qui sont ce soir, certains de ceux qui sont ce soir sont ici, adorent Dieu sans le connaître. C'est pour cela qu'il n'y a pas de résultat. C'est pour cela que nos églises sont si malades. Parce qu'on pose la question aux chrétiens, qui est Dieu? Beaucoup vont dire, Dieu est trinitaire. Nous croyons en la Trinité. Ok, qui croit que ce livre est inspiré de Dieu? Qui croit que si on a connu Dieu, c'est grâce à ce livre? Vous êtes tous d'accord, hein? Ok, donnez-moi un seul verset où ce livre parle de la Trinité. Où il y a le mot Trinité dans ce livre? Si nous sommes sincères, si nous aimons Dieu. Je ne demande pas deux versets, trois versets. Je demande un seul verset. Qui croit que pour conduire correctement à Montréal, il faut connaître le code de la route? Qui croit que pour avoir une bonne conduite spirituelle, il faut connaître la parole de Dieu? On est tous d'accord? Donc, vous les trinitaires, maintenant, donnez-moi un seul verset. Parce que quand on sera jugé par Dieu, il nous posera la même question. Vous dites, vous avez fait telle chose, prouvez-le-moi dans ma parole. Vrai ou faux? Alors, j'attends un verset biblique. Si vous en trouvez un, alors, je me repens. J'arrête même de prêcher. Vous adorez le Seigneur, dit vous qui? Les Samaritains, c'est-à-dire les nations, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous qui? Nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Ah ah. Trouvez-moi dans la bouche d'un Juif le mot Trinité.
Oui, frère. Moi, je vais répondre comme si je pense que la Trinité vient de la croix. Lorsqu'on fait le Père, le Fils et le Saint, c'est écrit où le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est écrit où? Oui, c'est l'ensemble des trois qui forment un. Non, mais c'est écrit où? Moi, je demande des versets bibliques. Non, mais je dis, ce n'est pas, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais ce sont les trois qui forment la Trinité. Non, 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 frère. Attends, attends. Tu es chrétien? Oui. Ok. Si tu es chrétien, oui. tu vis au Canada. Oui. Si tu conduis sans permis au Canada, on va faire quoi? La police fait quoi? Tu enfreins la loi. Mais d'accord. Parce qu'il y a un code à respecter. Il y a des lois à respecter. Il y a une constitution à respecter. Nous, notre constitution, c'est quoi? C'est la Bible. On est d'accord? Donc, tout ce que l'on demande, c'est qu'on nous prouve les choses que les gens avancent avec la parole. On est d'accord? Quand tu as fait ta demande des papiers au Canada, tu as dû respecter un certain nombre de lois. On est d'accord? Tu es canadien? Tu es canadien? Tu as la nationalité canadienne? Tu as fait allégeance à la reine? Tu es d'accord? Donc, si nous sommes chrétiens, c'est parce que nous avons fait allégeance à Dieu. On est d'accord? Donc, c'est pour ça que je dis, donnez-moi des versets bibliques où c'est écrit que la Trinité, c'est dans la Bible. Trouvez dans la bouche de Paul, de Pierre, de Jacques, de Jean, de Ésaïe, Moïse, le mot Trinité. Ça n'existe pas. Donc, si ce n'est pas dans la Bible, c'est que ça vient d'ailleurs. On est d'accord? Un Canadien, c'est celui qui vit selon les lois canadiennes. Un chrétien, c'est celui qui vit selon les lois de la parole de Dieu. On est d'accord? Voilà, on arrive. Ça vient. Oui, mon frère. C'est les lois chrétiennes qui se trouvent dans la Bible. Voilà. On est d'accord? Ok. Donc on va donner le micro. C'est bien comme débat là, c'est bien. Comme échange. On est en train de répondre à la question de la sœur, vous inquiétez pas. Mais en même temps, j'en profite pour enseigner. Lorsque nous lisons Matthieu 28, 18, on baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ok. Alors, est-ce que là c'est écrit Trinité? Non, je crois que c'est ça qu'on interprète, mais on n'a pas écrit Trinité. C'est une interprétation. Voilà. Mon frère, on en arrive. Gloire à Dieu. Je vois que vous aimez la parole au Canada ici. Alléluia. Waouh. Je crois que je vais revenir encore. Ok. Donc, mon frère, toi, tu me dis, viens. D'accord? Et moi, j'interprète, pars. Tu vois le problème d'interprétation? Tu as utilisé un mot très 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 important. L'interprétation. Tu es père de famille. Tu as plusieurs enfants. Tu dis à ta fille aînée. C'est ta fille, tu as une fille aînée? C'est elle? C'est elle, la fille. C'est qui? Non, elle n'est pas ici. Ah, c'est une fille, hein? L'aînée, gloire à Dieu. Donc tu dis à ta fille aînée, chérie, je t'envoie 10 euros. Elle entend, chérie, donne-moi 10 euros. Et elle va dire ça aux gens, papa me demande de l'argent, tout le monde de l'argent, alors que tu n'as pas dit ça. L'interprétation. Une mauvaise interprétation produit des mauvais enseignements. Des mauvais enseignements produisent des faux chrétiens. Et des faux chrétiens produisent des faux fruits, des mauvais fruits. Voilà le problème. Jésus dit, allez dans le monde entier. Faites de toutes les nations des disciples. En les baptisant au nom. Le nom là, c'est au pluriel ou au singulier? Qui dit que c'est au singulier? On est d'accord. Même le grec nous dit que le nom là, dans Matthieu 28, c'est au singulier. Ok. Donc, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On est d'accord? Qui était là quand Jésus a parlé? Il y avait qui? Pierre, Jacques et Jean, non? Les deux apôtres. Ok. Alors maintenant, nous allons voir comment eux, ils ont compris cette parole. On est d'accord, hein? Actes chapitre 2. J'aime l'enseignement parce que c'est nous. L'enseignement vous sort de l'ignorance.
vous ne pouvez plus être manipulé par les hommes, par le péché, par le diable, par les démons, tout ça. D'accord? Donc, Actes chapitre 2, verset 38. Quelqu'un peut-il nous faire la lecture de ce passage? Oui, frère. Pierre, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Christ pour le pardon. Au nom? Au nom du Christ. C'est sûr? Jésus-Christ. Ah! Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Qui croit que c'est écrit comme ça? Alléluia. On est d'accord, hein? Donc, quand Jésus dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les apôtres, vous verrez qu'ils ont tous baptisé au nom de Jésus. Vous pensez, maintenant, regardez. Bon, si Jésus, selon le Trinitaire, hein, si Jésus n'est pas le Père, alors donnez-moi le nom du Père. Oui, frère. Tout à l'heure, il y a une information que vous n'avez plus pas. Plus fort, s'il te plaît, parce qu'on n'entend pas. Tout à l'heure, on n'a pas bien saisi. J'ai dit, la Trinité, c'est trois en un. C'est-à-dire, les trois forment un. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'accord. Si l'on avait dit, baptisez-les au nom, là, on va dire Père, Fils, Saint-Esprit. Là, tu mets les virgules. Pardon? Tu mets les virgules? Oui. Pourquoi? Parce que si on mettait le nom au pluriel. Ok. Si on mettait le nom au pluriel, baptisez-les au nom. Donc ça veut dire que le Donc, Père... ça veut dire que le Père, c'est encore le Fils, c'est encore le Saint-Esprit. Donc il n'y a pas de Trinité. Mais c'est ça qui forme les trois formes un. Il n'y a pas de Trinité. C'est les trois formes un. Non. Les trois formes un, c'est la définition des... Les trois quoi? Les trois quoi? Les trois parties forment un. Et est-ce que c'est des parties ça? Le Père... Attends, si tu dis que tu es une partie, mais c'est grave. Une partie, c'est pas quelque chose de complet, c'est une partie. Trois personnes... Tu es une personne? Tu es une personne? Non. Ok. Ok, frère. Donc, dire que tu es une partie, c'est une insulte. C'est pas une insulte. Non. Si. Parce que, regarde. Ça, c'est entier. Oui. Si tu dis une partie, tu coupes. Mais une partie de trois. C'est grave, ça. Non. Mais si les trois fois. C'est écrit où? C'est écrit où? Pourquoi? Puisque j'ai le Père. Non, mais c'est écrit où ce que tu dis? Dans la Bible. Mais donne-moi le verset. Où c'est écrit que Dieu est une partie. Une partie. Et c'est toi qui l'as dit. Alors, non, tu retires. Ah, c'est bien. Tu as retiré, c'est bien. Les trois de un. Tu as dit personne. Donne-moi un verset où se dit que où c'est écrit que le Saint-Esprit est une personne. C'est la définition. C'est une interprétation. C'est comme le frère disait. Donc ça, c'est ton interprétation. Non, je veux dire. Mais c'est écrit nulle part que Dieu est une personne. Quelle personne? J'ai de Dieu. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Dieu n'est pas une personne. Mais Dieu n'est ni une partie, comme tu l'as retiré, c'est bien, et ni une personne. Mais Dieu, c'est écrit dans la Bible, lorsque tu fais ceci à ton prochain. Tu fais cela à Dieu. À Dieu. Bien sûr, c'est écrit ça, ouais. Mais cela ne veut pas dire que ton prochain est Dieu. Comment tu sais? Mais c'est toi, t'es pas Dieu, je suis pas Dieu. Ça dépend de comment est-ce que tu te manifestes. Mais non, mais frère, là tu te compliques la vie pour rien. Moi, je veux t'amener en fait à quoi? Je veux t'amener à réaliser que tu as besoin d'être enseigné. Comme tu as reconnu que oui, tu retires le mot parti. Eh bien, reconnais aussi qu'on a été mal enseigné et on a besoin d'être enseigné correctement. L'objectif, c'est quoi? C'est de vous amener à réaliser qu'on a été mal enseigné. C'est ça, d'abord. Parce que si quelqu'un ne reconnaît pas qu'il a été mal enseigné, il ne pourra pas accepter l'enseignement. Celui qui n'accepte pas qu'il est malade, on ne peut pas le soigner. Celui qui n'accepte pas qu'il a faim, on ne peut pas le nourrir. C'est ça, en fait. C'est pour cela que les questions, là, ce n'est pas pour vous piéger. Mais c'est pour vous amener à réaliser qu'on a été mal enseigné. Parce que le jour du jugement dernier, on sera jugé par rapport à ce livre-là. Dieu va ouvrir sa parole et on va être jugé. Tu as vécu ta vie de telle manière, prouve-le-moi avec ma parole que ce que tu as vécu, ce que tu as fait, c'était en accord avec la parole. Tu vois?
Donc, c'est ça le problème. C'est que nous, nous inventons des mots. Les mots ont un sens. Tu vois? Et regardez bien. Je vous pose une autre question. C'est intéressant ce que le partage ce soir. Hein. Je vous propose la question. Donnez-moi le nom du Père. C'est quoi le nom du Père? Le nom du Père, pour les trinitaires. Amen. Oui. Alléluia. Jean 14, verset 10. Ok. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est dans moi? Ok. Je m'arrête là parce que... Qu'est-ce que tu comprends ici? Le Père est en Jésus. C'est une partie du Père ou tout l'ensemble? Si on doit croire que le Père est en Jésus et Jésus est dans le Père, on reconnaît aussi que quelque part, toujours dans la parole, il dit que le Père est plus grand que moi. Là, c'est écrit aussi, Jésus oui, l'a dit. Ça, c'est écrit. En fait, c'est une très bonne chose que tu as dite là. Mmh. C'est parce qu'il y a double nature. Jésus a double nature. 100% homme et 100% Dieu. Tu vois mon frère? Voilà. Et maintenant, l'Église catholique, qu'est-ce qu'elle a fait? L'Église catholique romaine a divinisé le côté humain de Jésus et ça a fait deuxième Dieu. Tu comprends? C'est ça le problème. Il a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce que Jésus a dit. Et les apôtres ont baptisé au nom de Jésus. Est-ce que le Père est un nom propre? On est d'accord? Ok. Le Père est comme président, comme le président, ce n'est pas un nom propre. Hein. C'est un nom, voilà, commun. Et comme directeur, comme préfet, comme ministre, c'est le nom commun. Tout le monde peut porter ça. Si aujourd'hui je dis maire, qui va répondre? Toutes les mères, on est d'accord, hein? Oui, mais laquelle? Par exemple, là, c'est ta maman. Si je l'appelle mère, il faut son nom propre. Donc, maintenant, on dit ben, le Père. Si le Père, c'est pas Jésus. Si Jésus, c'est pas le Père. Alors, donnez-moi le nom du Père. Parce que Jésus a dit, je fais connaître ton nom, en parlant au Père, aux gens que tu m'as donné. Donc, Pierre connaissait le nom du Père. Jacques connaissait le nom du Père. Et Pierre va écrire dans Actes 4 que sous le ciel, il n'y a aucun autre nom qui nous est donné, par lequel nous devions être sauvés. Et quel est ce nom-là? Le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc vous voyez que la Trinité saute automatiquement. Jésus n'a jamais parlé de la Trinité. Ni Paul, ni Jacques, ni personne. Ça vient de qui? Ça vient des hommes. Vous voyez? Or Dieu est illimité, Dieu est infini. Vous voyez, non? Un enfant nous est, un fils nous est, et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu, puissant, Père. Oh! Vous commencez à comprendre, hein? Donc, vous voyez que le fils en question, on nous dit qu'on l'appellera aussi Père. Oh, il y a combien de pères? Un seul. On est d'accord? Donc, regardez bien. Qui croit que le Saint-Esprit est aussi appelé l'Esprit de Jésus? Qui le croit? C'est écrit, non? Actes chapitre 16, lisons-le. Le verset 7. Actes 16, 7. Oui, ma soeur. On va d'abord lire la parole là. Après, tu pourras poser ta question. Merci. Quelqu'un l'a trouvé? Ok. Arrivé près de la Misie. Il se disposait à rentrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ok. Mon frère, tu te rends compte ici, l'Esprit de Jésus, on l'appelle aussi comment? Le Saint? Qui est d'accord avec moi? Ok. Maintenant, mon frère, peut-on
donc te dissocier, toi, de ton esprit? Non, non. Ok. Comment tu t'appelles déjà? David. David. Regardez bien mon frère David. On prend l'esprit de mon frère David et on coupe et on dit, ça fait, il y a là. Es-tu une personne? Et David aussi une autre personne. Et ça fait deux personnes. Voilà la Trinité. Tu vois, non? Et tu sais quand est-ce que l'Esprit de Dieu est devenu la troisième personne de la Trinité? Est-ce que vous le savez ça? À quel moment l'Église catholique a décidé que l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit, était la troisième personne de la Trinité? Vous ne savez pas à quel moment? Au concile de... Non, pas au concile de Nicée. C'est au concile de Nicée que Jésus est devenu la deuxième personne de la Trinité. C'est au concile de Thessalonique. D'accord? Notez bien cette information-là. Allez vérifier. Au concile de Thessalonique, en 380 à peu près. Donc, c'est-à-dire plus de 380 ans après Jésus, c'est là que les hommes, les religieux, se sont rassemblés et ils ont dit, ben, nous décidons que désormais, l'Esprit de Jésus devient la troisième personne de la Trinité, troisième Dieu. Ah ben oui. Et vous savez comment ils ont commencé à les nommer? D'abord, au concile de Nicée, en 325. Jésus devient la deuxième personne de la Trinité. Au concile de Thessalonique, en 380 à peu près, le Saint-Esprit devient la troisième personne de la Trinité. Donc ça fait trois personnes distinctes, différentes les unes des autres. Et vous savez comment on a commencé à les appeler? Co-créatrices. Mais c'est terrible ça! Co. Et, mais c'est une insulte! Le Saint-Esprit est appelé aussi l'Esprit du Fils de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Jésus. Mes amis, vous vous rendez compte de ce qu'on a fait de Dieu? Ce qu'on a fait de la doctrine apostolique? Ils ont disséqué Dieu en trois personnes distinctes. Et ça donne Dieu le Père et Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Waouh! Laissez-moi vous dire ceci. Vous savez que dans vos Bibles là, il n'y a pas un seul verset où il y a l'expression l'Esprit. Comment dire, Dieu le Fils, ça n'existait pas. Ça a été rajouté, vous savez par qui? Est-ce que vous savez par qui? L'Église catholique? Non, même pas. Les protestants. Chers protestants. Vous continuez toujours à protester contre qui? Contre quoi? Mais moi je suis baptiste, moi je suis pentecôtiste, moi je suis presbytérien, moi je suis... Oh Seigneur, sauve-nous. Bon. Et on va prendre Jean 1, 18. Ça vous intéresse tout ça? Ou ça vous ennuie? Ça vous... Ok. On veut vous donner la connaissance. D'accord? Vous amener à être plus intelligent avec la parole pour ne plus être manipulé. Jean 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils. Non, là c'est pas là. Je cherche une version où c'est écrit Dieu le Fils. Qui l'a, cette version-là? Oui, Esther, tu peux le lire, s'il te plaît? Personne n'a jamais vu Dieu. Non, c'est pas ça. Vous savez où il y a Dieu devant le Fils? Qui a cette version? Ah, toi, ma soeur, écoutez bien ici, écoutez bien. Ok, on y va. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique. Non, c'est pas ça. Il y a une version où c'est écrit Dieu le Fils. Qui sait quelle est la version austère? Comment? C'est toi mon frère? Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils voilà. Unique qui est dans le sein du Père. Oui. Ça, c'est aussi une version falsifiée. Tu sais ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé? La Bible de Louis Segond, qui en possède une? C'est des Bibles falsifiées. Ah ben oui, carrément.
ça peut vous choquer, mais qu'est-ce que nous raconte ce monsieur là? Il est en train de tout bouleverser là. Mais qu'est-ce que... Oh Seigneur, sauve-nous. Regardez, dans nos églises, vous savez ce qu'on fait? Qui c'est qui a la dîme? Donnez, vous serez bénis. Ah, le front, ah, film Matrix, ah, dans l'église. C'est la comédie, il n'y a pas d'enseignement véritablement. Creuser, creuser. Il y a des églises qui enseignent, attention. Mais globalement, là, c'est du théâtre, c'est du cinéma, c'est du cirque. Segond était un docteur, un théologien. En 1880, il a sorti sa Bible révisée, donc Louis Segond. Et vous savez, comme il était influencé par la doctrine de la Trinité, qui est une doctrine babylonienne, égyptienne, parce que les Égyptiens ont une triade, Isis, Osiris et Horus, comme les Hindous en ont une aussi, Brahma, Krishna et Vishnu. Vous comprenez? Voilà. Donc, Louis Segond, docteur protestant de la parole, théologien protestant, influencé par la doctrine de la Trinité, quand il va lire ce passage-là, hein, dans le grec, alors qu'il n'y a pas le mot, il n'y a pas théos. Il n'y a pas théos devant fils. Lui va dire, non, moi, je me donne la liberté de rajouter devant le fils théos, c'est-à-dire Dieu. Tu as dit, tu n'ajouteras rien et tu n'en retrancheras rien, tu n'en retrancheras rien. Lui, il s'est dit, non, moi, je ne tiens pas compte de ce que Dieu a dit, je rajoute devant le fils, je rajoute Dieu. Et ça a donné, dans ta version là, Dieu le fils. Vous voyez? Il valide par cet ajout. Il valide la doctrine de la Trinité, faisant de Jésus-Christ le deuxième Dieu, un petit Dieu. Vous voyez? Oui, frère. J'ai une question. Voilà que la Trinité n'est plus là, c'est vous. Alors, c'est qui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Très bonne question, frère. Voilà, on en arrive. Donc, je voudrais d'abord vous amener à réaliser qu'on a été tous mal enseignés. On est d'accord? Vous savez? Les pères de l'église, la plupart des pères de l'église, ce qu'on appelle les pères de l'église, ce sont des gens qui sont venus après les apôtres. Quand Jean est mort, qui était le dernier apôtre à mourir, il y a des pères de l'église qui sont venus, c'est-à-dire des philosophes grecs et latins, et qui utilisaient la rhétorique, hein, qui utilisaient le sophisme, c'est-à-dire le discours en trois points, l'argumentation, l'éthos, le pathos, enfin bref. Ils arrivent, influencés par les philosophie païenne, d'Aristote, tout ça, Socrate. Ils arrivent avec cette philosophie, ces philosophies complètement impies, et ils vont croire que le Dieu de la Bible est aussi une triade. Comme chez les Égyptiens, comme chez les Hindous, comme chez les Babyloniens, comme chez les Tunisiens, comme chez les... partout. Et ils ont commencé à changer petit à petit la doctrine apostolique. Où les Hébreux disaient, comme Paul, comme Pierre, comme Jacques, comme Jésus lui-même, notre maître, disaient qu'il y a un seul Dieu. De Genèse à, n'est-ce pas, Apocalypse, les apôtres ont dit qu'il y a un seul Dieu. Paul le dit également à 1 Corinthiens 8. Il dit, même s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu et Seigneur, mais pour nous, il y a un seul Dieu. Dans Éphésiens 6, Paul dit, il y a un seul corps, il y a une seule foi, une seule espérance. Qui a déjà lu? Mais voilà que ces pères de l'église sont venus, ils ont dit non. Nous qui sommes païens et non juifs, eh bien nous allons fabriquer un Dieu à notre image. Comme les enfants d'Israël, avec Aaron, ils ont fabriqué un veau d'or. Eh bien ça a donné la Trinité. Ça a donné, eh bien, Dieu le Père, ça c'est écrit dans la Bible, hein, Dieu le Père, ça existe. Le Père, Paul en parlait. Et ça a donné aussi, ils ont créé Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ces deux dernières expressions n'existaient pas dans la Bible. Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Non! Ça n'existe pas, ça a été rajouté comme la seconde, l'a rajouté. Vous vous rendez compte? C'est grave! Et les dernières Bibles, le second là, second de 2002-2007, hein, ils ont rectifié ça. Ils ont enlevé Théos, ce qui a été rajouté par second, leur ancêtre, par second. Ils ont rajouté, ils ont rectifié. Voilà, c'est bien entre parenthèses ici. Donc vous voyez bien que ce ne sont pas des histoires que je raconte.
Donc si tu regardes s'il y a un commentaire là, ils ont dû dire ça a été rajouté par second. Ça c'est second. Donc c'est grave. Et il a induit beaucoup de protestants en erreur comme les catholiques, mais c'est grave. Alors, maintenant, nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9. Rappelez-vous bien que nous avons lu un passage dans Jean 4, 22, où Jésus disait à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Et souvent, on oublie ça. On a oublié que la première église, elle était totalement juive. Totalement juive. Les 120 Galiléens avec lesquels l'église est née n'étaient ni Canadiens, ni Français, ni Européens, ni Noirs, ni... c'était des Juifs. Et ils ont donné un enseignement clair, consigné dans ce livre-là. Ésaïe 9,5 dit quoi? Un enfant nous est né. Un fils nous a été donné, et l'empire reposera sur son épaule. On l'appellera l'admirable, le conseiller, le Dieu puissant, le Père d'éternité, le Prince de paix, pour accroître l'empire et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Qui parle ici? C'est le Père. Qui a écrit ce livre? C'est Ésaïe était un Canadien ou un Juif? Un juif. Regardez, on nous dit qu'un enfant nous est. Donc c'est un enfant d'abord. Ensuite, un fils. Et on dit que ce fils est Dieu. Attention, Dieu puissant. Ah, d'accord, hein? Et ensuite, on nous dit quoi? On l'appellera aussi comment? D'éternité. Waouh! C'est moi qui le dis ou c'est la Bible qui le dit? Qui croit que Ésaïe était un vrai prophète? On est d'accord, hein? Je préfère croire Ésaïe, le prophète, que de croire les enseignements des pères de l'Église. Je préfère croire ce qui est écrit dans ce livre que ce que nos pasteurs nous ont enseigné, ce que les écoles bibliques nous ont enseigné. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et on l'appellera Dieu puissant. Donc, il y a combien de dieux? Il n'y en a qu'un. On est d'accord? Shema Israël. Shema Israël. Yahweh. Shema Israël. Adonai Eloheinu. Adonai Ehad. Écoute Israël. Yahweh, notre Dieu. Yahweh est un. Ça c'est... comment? Elohim, très bonne question, mon frère. Elohim, c'est le pluriel. Alors, beaucoup des trinitaires disent, oui, c'est un pluriel, donc ça veut dire qu'ils sont plusieurs. Oh, les trinitaires, on est tous passés par là. Non, si on était fervent là-dessus, hein, on dit, ouais, Elohim, tout ça là. Mais ce qu'ils ont ignoré, ce qu'ils ignorent, c'est que Elohim a été utilisé aussi pour parler de Dagon. Tu connais Dagon? Dagon. Qui a déjà entendu parler de Dagon? Le dieu des Philistins. D'accord? Est-ce que tu sais qu'on l'appelait aussi Elohim? Tu ne savais pas, hein? Voilà. Est-ce que tu sais aussi que Baal était appelé Elohim? Non. Or, Dagon n'était pas une triade. C'est un seul dieu. D'accord? Donc, vous voyez, mon frère, en fait, Elohim est un pluriel, non d'addition, mais d'excellence, de majesté. Comme quand un roi, un monarque parle, il parle toujours au pluriel, nous. Tu vois, non? Parce qu'il y a lui, il y a ses sujets, il y a son royaume, il y a sa majesté. Donc, Elohim est un pluriel d'excellence. Et là, quand on dit dans Ésaïe 9, on l'appellera Dieu puissant, bizarrement ici, ce n'est pas le Elohim, c'est le singulier El. Tu vois, non? Voilà. C'est le L, E-L. Il aura L. Donc, mais ça c'est terrible, mon frère. Comment voulez-vous servir Dieu si vous ne le connaissez pas? Comment voulez-vous adorer Dieu véritablement si vous ne le connaissez pas?
Comment voulez-vous adorer Dieu si vous vous présentez devant une créature à trois têtes? C'est pour cela que beaucoup de chrétiens ont la confusion parce qu'ils se disent, bon, sur les trois là, il faut que chacun ait sa part d'adoration. D'ailleurs, le problème. Bon, aujourd'hui, j'ai beaucoup adoré le Père, demain, un peu le Fils. Après, bonjour Saint-Esprit. Ah, il y a même un livre là-dessus. Pour créer l'équilibre. Vrai ou faux? Voilà. Comment voulez-vous que les Juifs soient touchés parce qu'ils se disent, vous les chrétiens, vous avez une triade. Un Dieu monstre. Oh, attends, les trinitaires, quand ils sont coincés comme ça, ils disent, non, en fait, c'est un mystère. Où? Quel mystère? Le dernier livre de la Bible s'appelle comment? Comment? Apocalypse veut dire quoi? Révélation. Donc ce n'est plus un mystère. Parce qu'on dit que c'est la révélation. Vrai ou faux? Révélation de qui? De? Donc le mystère n'est plus. On est d'accord? Mais comment vous dites encore que c'est un mystère? Oh Seigneur, sauve-moi. Sauve-nous. Vous commencez à réaliser un peu que nous avons des problèmes. Qui réalise que nous avons des problèmes sérieux? Voyez, nous sommes nés dedans. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé, tu sais quoi mon frère? Il y a un homme du nom de Tertullien. Il a vécu entre 150 et 230 après Jésus-Christ. Père de l'Église, grec, né à Alexandrie en Égypte. Il croyait en la triade égyptienne, Isis, Osiris et Horus. Il était enseignant et quand il s'est converti, en fait, il a adhéré au christianisme, il a gardé, n'est-ce pas, cette doctrine de triade égyptienne et il a changé ces noms-là en Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est lui qui est le premier à parler de la Trinité. Mais celui qui l'a propulsé, c'est Athanase au 4e siècle. Il venait d'où? Il était grec, né aussi en Égypte, en Afrique. C'est pour cela que Dieu envoie aussi des Africains pour restaurer tout ça là, parce que c'est, ça vient des Africains tout ça là, mes amis. Des Romains, mais nés en Afrique. Et là, ben, il arrive, et qu'est-ce qu'il dit? Athanase, il va mettre en place la confession de foi d'Athanase, que vous pouvez télécharger sur Internet. Et il dit quoi, Athanase? Il dit, personne ne peut être sauvé s'il ne croit pas en la Sainte Trinité. Il dit, nous croyons qu'il y a trois personnes en Dieu. Il dit, ces trois personnes sont co-créatrices, co-éternelles. Mais c'est terrible. Waouh! Seigneur, c'est écrit où tout ça là? Jésus a dit, celui qui ne croit pas au Fils de l'homme, au Fils de Dieu, ne sera pas sauvé. Lui, il dit, non, il faut croire en la Sainte Trinité pour être sauvé. Ok. Regardez bien. Qui est Dieu? Qui est le Dieu de la Bible? Comment voulez-vous que des musulmans se tournent vers Dieu parce qu'ils disent, mais vous les chrétiens, vous avez trois dieux? Et ils n'ont pas tant. Regardez là, ce que Jésus a enseigné. Nous sommes dans Marc chapitre 12. Il est quelle heure? 19h05, c'est ça? Il nous reste combien de temps? Gloire à Dieu. Ouh Seigneur Yeshua. Marc chapitre 12, verset 28. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Marc 12, 28. On va lui donner le micro, ma soeur. Merci pour. Tu vas nous faire la lecture à chaque fois, merci. Un des scribes qui les avait entendus discuter, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approcha de lui et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus lui répondit, le premier de tous les commandements est, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. Oh, 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 oh. Qui parle ici? Qui préfère écouter Jésus plutôt que les hommes? Ok. Le scribe, qui est un scribe? C'était qui? Les scribes, c'était qui? Les docteurs de la loi, des gens qui écrivaient beaucoup, hein, on est d'accord. Donc ils connaissaient la parole. Cet homme vient voir le Seigneur, il pose la question,
quel est le plus grand de tous les commandements. Jésus n'a pas dit c'est la dîme. Il n'a pas dit il faut aller tous les dimanches à l'église. Non. Et il a dit quoi? Avant de répondre, qu'est-ce qu'il a dit? Écoute Israël. Je vous pose une question. Écoute Israël, en hébreu se dit Shema Israël. Qui est le premier à parler comme ça? Jacob. Très bien, tu as suivi l'enseignement. Avant de mourir dans Genèse 49, il a rassemblé ses enfants. Il leur a dit Shema Israël. Ah. Quand un juif entend Shema Israël, Shema, c'est écouter. Shema, c'est premièrement, entend, comprend et obéit. Entend, comprend et obéit. C'est ça le chemin. Vous ne pouvez pas obéir si vous ne comprenez pas. Mais d'accord. Mon frère, tu n'as pas compris. Tu as entendu. Est-ce que tu as compris? Donc tu ne peux pas exécuter. Vignou, tu as entendu. Est-ce que tu as compris? Ouais. Tu parles créole? Ok. Tu parles le lingala? Kende, tu as entendu, non? Tu as compris? Oh, tu ne parles pas du lingala, mon frère. Ok. Kende, est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu peux obéir? Voilà. Kende, vas-y, va-t'en. Donc tu ne peux pas exécuter parce que tu n'as pas compris. Tu as entendu, oui. C'est ça le chemin. Shema Israël, c'est entendre, comme tout le monde a entendu, Kende. Mais il faut aussi comprendre pour pouvoir obéir. D'accord? Donc quand Jésus-Christ, on lui pose la question, quel est le plus grand de tous les commandements? Jésus-Christ, notre maître, en tant que meilleur enseignant, il a commencé par dire, scribe, entends-moi bien, comprends-moi pour pouvoir obéir. D'accord? Et Moïse a repris cela dans Deutéronome 6:4. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, Yahweh notre Dieu, Yahweh est un et non deux ou trois. Pas du tout. Et Jésus voulait que cet homme comprenne son enseignement. Entende son enseignement, le comprenne pour pouvoir obéir. C'est ça l'objectif. L'obéissance aux ordres du Seigneur. Et là, il lui dit quoi? Il lui rappelle le chemin à Israël. Chemin à Israël, Yahweh, notre Dieu, Yahweh est un. En hébreu, c'est Ehad. Un. Et non trois. Jésus a raison. Voilà. Et ensuite, il lui dira quoi? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, comment? De tout ton cœur. Comment veux-tu aimer quelqu'un de tout ton cœur s'ils sont. Comment veux-tu aimer de tout ton cœur s'il y a trois personnes que tu aimes? On est d'accord? T'es partagé, on est d'accord? Voilà, les trinitaires, ils sont partagés. Lequel aime le plus? Dieu le Père? Dieu le Fils? Dieu le Saint-Esprit? C'est compliqué tout ça, non? Aimer trois femmes pareillement, c'est pas possible. Quatre hommes, c'est pas possible. Mille femmes comme Salomon, c'est impossible. On est d'accord? Voilà, le Seigneur a dit quoi? Nul ne peut servir deux maîtres à Allah, ou il aillera l'un et aimera l'autre. On est d'accord, frère? Shema Israël, Dieu est un. Il y a plein de versets que nous pouvons lire pour vous montrer. Dieu est un. Alors, les trinitaires disent, vous voyez, c'est un modaliste. Alors, ils utilisent des mots pour faire peur aux gens. C'est un modaliste, ce monsieur-là. Il n'y a pas que moi qui. Il y a beaucoup de gens qui dénoncent toujours la Trinité. Prenons un autre passage. Galates 3. J'espère que ça vous intéresse tout ça. Gloire à Dieu. Le verset 20. Quelqu'un peut le lire rapidement? Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, mais Dieu est un. Oh, alléluia! Mais Dieu est. Voilà. Alors, dans d'autres versets, ils disent mais Dieu est un seul. En fait, il rajoute seul. Mais à la base, il n'y a que un. C'est un. Dieu est un. Qui le dit ici? C'est Paul, non? Paul a suivi l'enseignement de Jésus. Jésus disait que Dieu est un.
Paul est venu, il a dit Dieu est un. Mais d'accord, nous sommes dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Alors les trinitaires ce soir vont demander pardon à Dieu d'avoir adoré trois divinités. Pendant des années, j'en arrive. On va d'abord lire des versets pour vous montrer que Dieu est un et non trois. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Car Dieu est un. Oh! Et aussi le médiateur entre Dieu et les hommes est un. Dieu est combien? Comment? Un. Trois en un? Un. Comme le produit de la vaisselle là? Non. Ouh Seigneur! Ouh Seigneur, sauve-nous! Nous sommes dans Jacques 2, 19. Alors ça tue tout le monde. Ça va décapiter les trinitaires, ce verset encore qu'on va prendre. Ça va leur couper la tête. Mais pas pour mourir physiquement, pour vous. Couper la religion, je veux dire, hein, la religiosité. Voilà. Jacques 2, 19. D'accord. Tu crois que Dieu est un, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Même les démons ne croient pas à la Trinité. Acclamez le Seigneur. La demande, ça tue, ça casse, ça coupe la tête des faux prophètes. Oh Seigneur, c'est que les démons, ils ont inspiré une doctrine à laquelle ils ne croient pas. Mais ils veulent nous égarer simplement. Relis encore, ma soeur, ce passage-là. Ça, c'est un passage qu'il faut connaître par cœur. Jacques, chapitre 2, verset 19. Tu crois que Dieu est un. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Ouh, vous savez pourquoi les démons n'ont pas peur des chrétiens aujourd'hui, de beaucoup de chrétiens? Parce qu'ils sont trinitaires, ils ont avalé leur doctrine. On a disséqué Dieu en trois dieux. Et là, Jacques dit, tu crois que Dieu est un? Ah, mais tu fais bien! Bah oui! Et il dit, les démons le croient aussi et ils tremblent! Parce qu'il y a un seul Dieu qui fait trembler les démons. Alléluia! Un seul Dieu qui fait trembler les démons. Un seul Dieu. Et c'est ça la doctrine qu'il faut proclamer. Il y a un seul Dieu. Regardez mes amis, regardez mes amis, regardez bien. Regardez bien. Qui est ce Dieu là maintenant? On en arrive. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 22. Verset 6. Apocalypse 22, verset 6. Puis il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des saints prophètes, a envoyé son ange pour manifester à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Qui a envoyé son ange? Le Dieu des saints prophètes. C'est ça, non? Dieu a envoyé son ange pour révéler ces choses aux églises. On est d'accord, hein? Ok. Verset 12, ma soeur. Verset 12. Voici, je viens à toute vitesse, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. 13. Je suis l'alpha et l'oméga. Qui parle ici? Je suis l'alpha et l'oméga. Continue. Le premier et le dernier, le commencement et la fin. Ok. Bénis sont ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Mais seront laissés dehors les chiens, les sorciers, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Oh. Pour vous confirmer ces choses dans les églises. Oh, je suis la racine et la race de David, l'étoile brillante du matin. Ok. Au verset 6, on nous dit quoi? Dieu a envoyé son ange. Au verset 16, on nous dit quoi? Jésus a envoyé son ange. Donc, l'analogie est facile à faire. Le parallèle est facile à faire. Qui a envoyé son ange ici? Jésus est qui? Dieu est qui? Jésus. Il y a combien de dieux? Et comme le Père. Qui est Seigneur? Jésus. Qui est le Seigneur de Seigneur? Jésus. Le Dieu de Dieu. Jésus. Bon, nous sommes dans Deutéronome chapitre 10, verset 17. Acclamez la parole de Dieu.
Alléluia. Vous voulez connaître Dieu véritable? Deutéronome 10, 17. Deutéronome 10, 17. Ok. Car Yahweh, votre Dieu, est le Dieu des cieux, le Seigneur des seigneurs. Tu t'arrêtes là. Le Seigneur des seigneurs. Ok. Apocalypse 19, le verset 13. Yahweh est le Seigneur des seigneurs. Donc, écoutez bien. Donc, si Yahweh est le Seigneur des seigneurs, donc lui, il est ici. On est d'accord, hein? Et les autres seigneurs sont en bas. Qui est d'accord? Ok. Donc, il est au-dessus de tous les seigneurs. Yahweh. Hein? Yahweh. Apocalypse 19, 13. Apocalypse 19, verset 13. Il était revêtu de vêtements teints de sang et son nom s'appelle la parole de Dieu. Ok, on continue. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée tranchante pour frapper les nations. Il les gouvernera avec un sceptre de fer et il foulera la cuve du vin de l'indignation et de la colère du Dieu Tout-Puissant. Et sur son vêtement et sur sa cuisse étaient écrits ces mots: le roi des rois et le seigneur des seigneurs. C'est qui ici? Jésus. Donc, si Jésus n'est pas Yahweh, ça posera un problème. Parce qu'on nous dit que Jésus-Christ est aussi le seigneur des seigneurs. Donc sinon ça ferait deux seigneurs des seigneurs. Oh, il n'y en a qu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Jésus est Yahweh. Yahweh est Jésus. Waouh! Mes amis. Regardez Matthieu 13. Ma soeur, tu peux nous lire le verset 41? Matthieu 13, 41. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Oh! Le Fils de l'homme enverra ses anges. Ok, on continue. Retenez bien, il enverra ses anges. Qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et le royaume appartient à qui? Selon ce passage-là. Le Fils de l'homme. Au Fils de l'homme. C'est qui? Jésus. On est d'accord, hein? Le verset 44 dit quoi? Matthieu 13, 44. Le royaume des cieux est encore... 43, je crois, 42. 42, 43. Pardon. Alors 43. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père. Ok. Ah. Le Fils de l'homme arracheront de son royaume à lui. Et là, le verset qui suit là, il dit quoi? Alors les justes resplendiront dans le royaume de qui? De leur père. De leur? Oh. Donc le Fils là, c'est le? Père. Un Fils nous est? On l'appellera Père éternel. Donc Jésus est le? Philippe lui pose la question, montre-nous le Père, cela nous. Il dit quoi? Il y a si longtemps que tu l'as, que je suis avec toi, tu ne l'as pas? C'est ça? Non. Il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Donc Jésus est le Père. Alors, pourquoi? Alors, pourquoi quand il était sur la croix, il va dire encore, Père, Élie, là-bas, Sabatali, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est simple. Quand Adam est tombé dans le péché, il a perdu l'image de Dieu. D'accord, hein? Dieu a créé l'homme à son image. Et Colossiens 1, 16 nous dit que le Fils est l'image du Père. D'accord? Donc Adam perd l'image de Dieu. La sanctification, la sainteté, la crainte de Dieu, l'amour, il a perdu tout ça. Maintenant, tous les enfants d'Adam et Ève étaient à l'image d'Adam, selon Genèse 5. On nous dit que Adam va engendrer un fils à son image, et non plus à l'image de Dieu. Donc le péché, la corruption, tout ce que tu veux. Mais là, Dieu regarde. Il dit, j'ai créé ces hommes pour être à mon image, mais ils l'ont perdu. Et l'image, c'est le modèle. Hein? Donc il faut un modèle. Mais personne n'était possible de... n'était capable de manifester ou de présenter ce modèle parfait. Parce que tout le monde était corrompu par le péché d'Adam et Ève. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer? 1 Timothée 3, 16 dit quoi?
le mystère de la piété est grand. Vous lisez la parole, c'est bien. Le mystère de la piété est qui s'est manifesté en chair? Dieu. Maintenant, vous, les trinitaires, lequel? Parce que vous, il y en a trois. C'est Dieu le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit? Ah, vous voyez comment on est coincé là. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté. Lequel de Dieu? Jésus-Christ. C'est le Tout-Puissant ou pas? Le Tout-Puissant ou pas? On l'appellera Emmanuel, qui veut dire? C'est lequel de Dieu? Le Père. Parce qu'il n'y en a qu'un. On est d'accord? Donc, Dieu s'est manifesté en. Parce qu'il fallait un modèle. Donc il se dit, comme il n'y a personne capable de manifester son modèle, je descends moi-même. Il a pris la forme humaine. C'est ça le mystère. Donc, la forme humaine, ce corps de Jésus-Christ, homme, dans lequel habite corporellement, selon Colossiens 2:9, une partie de la divinité ou toute la plénitude de la divinité. J'ai écrit, non frère, si on dit que toute la plénitude, là, on disait tout à l'heure, il n'y a pas, c'est une partie, pas une partie. Toute la plénitude de la divinité habite en qui? En Jésus. En Jésus, on est d'accord. Donc, si toi tu es Jésus, c'est le cas, je vous donne un exemple, et que toute la plénitude de la divinité, c'est-à-dire de Dieu, en lingala, tu vois lingala, on dit bon zambé. Toute la plénitude de la divinité habite en Jésus. Maintenant, où se trouve le Père? En Jésus. En Jésus. Mais voilà. Donc, si quelqu'un en lui habite, si toute la divinité habite dans quelqu'un, mais ce quelqu'un là, c'est lui le Tout-Puissant. Le baptême, c'est comment ça? Comment ça? Parce que Dieu a parlé de là-haut, Jean 3:13. Tu peux le lire, s'il te plaît? Oh, j'aime ça. Parce que Dieu a parlé là-haut, du ciel, parce que ça paraît bizarre, hein? Frère, regarde. Tu peux dire Alléluia là-dedans, là, dans le micro, s'il te plaît? Alléluia. Encore plus fort? Alléluia. Ça sort d'où? Ça sort de là-bas? Ouais. Ça te surprend? Non. Pourquoi? Tu es habitué. Alléluia. C'est la technologie. Wouh! Attends, Dieu! Alléluia! Je crois que tu as compris un peu. Tu as compris un peu ou pas là? Tu es assis ici. Tu dis Alléluia. Quelqu'un qui est en Australie entend ça. À l'époque de Paul, on disait la magie. Tu pouvais même te faire adorer. On est d'accord? Donc, parce que nous, on est habitués à la technologie. Mais si l'homme arrive à faire ça, est Dieu tout puissant. Il est tout, quand on dit qu'il est tout puissant, il est tout puissant. Il fait ce qu'il veut. On est d'accord? Donc, lis Jean 3:13. Personne n'est monté au ciel. Personne n'est monté au ciel. Sinon, c'est lui qui est descendu du ciel. Sinon, c'est lui qui est descendu du ciel. Quand il parlait ici, il était où? Sur la terre. On est d'accord? Continue. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Oh! Il est sur terre. Il dit qu'il est en même temps. C'est écrit ou pas? Non, c'est écrit ou pas? Oui, entre parenthèses. Non, ça c'est dans le grec, ça existe. Mais c'est écrit que le Fils de l'homme, point, mais entre parenthèses, on dit qui est dans le ciel. Mais qui est dans le ciel, oui. Ben oui, il est dans le ciel en même temps. Ça choque pas. Il est sur terre, et il dit qu'il est en même temps au ciel. Alors, c'est ça Dieu. C'est pour cela, quand il était. Celui qui s'est fait baptiser, c'est le Fils, c'est l'homme, le côté humain. Et bien le Fils de l'homme qui est au ciel en même temps, là, Dieu, le côté Dieu, a parlé, où est le problème? Le vent, c'est l'esprit. Le vent souffle ici au Canada, ça ne choque personne. En même temps, il souffle aux États-Unis, ça ne choque personne. Et c'est le même vent, non? Et en même temps, ça souffle en Australie. Est-ce que ça te choque? Non. On est d'accord? Eh bien, c'est le vent, c'est l'esprit. Il fait ce qu'il veut, Dieu. Et pourquoi les opérations sont données par Dieu, les ministères par Jésus et les dons par le Saint-Esprit? Eh bien, on va le lire. Maintenant, pourquoi Père, Fils et Saint-Esprit? Le Fils, ce n'est pas un nom propre, c'est un nom commun. On est d'accord? Donc, nous sommes tous des fils ici, hein, des filles. On est d'accord? Voilà. Donc, ce sont des noms communs. Et ça, ce sont des fonctions, c'est tout, des fonctions, parce qu'il fallait un modèle.
Voilà pourquoi il est venu en tant qu'homme, pour nous montrer le modèle que Dieu veut. C'est tout, le modèle. 1 Corinthiens 12, 4, tu peux le lire. Il y a des versets. 1 Corinthiens 12, 4. 1 Corinthiens 12, verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Mm-hmm. Diversité de services, mais le même Seigneur. Bien sûr. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout. Mais où est le problème? C'est le même Dieu. On l'appelle Seigneur, on l'appelle Père, on l'appelle Fils. C'est le même Seigneur, c'est le même Dieu. Voilà. Il y a un seul Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. C'est écrit, non? Dans 2 Corinthiens 3, 17. Voilà. C'est le Seigneur, l'Esprit, on appelle ce Seigneur parce que c'est le même Seigneur, il n'y en a qu'un. Ce sont des titres, ce sont des fonctions. Il est Esprit, Dieu est Esprit, c'est écrit ou pas? Ben voilà, il est Esprit. Il est tout puissant, il est Dieu. On ne peut pas dire que l'Esprit c'est comme le vent. Est-ce que tu peux couper le vent? Coupe ça en trois morceaux. Tu peux? Ben voilà, pourquoi nous on a coupé ça en trois parties? Comment? Finalement, on aimerait comprendre pourquoi Jésus lui-même, parce que vous avez dit que tout ce que Jésus a dit, c'est vrai. Mm-hmm. Alors pourquoi il a dit lui-même qu'il faut baptiser au nom de Dieu, du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Mais ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure, mon frère, je ne sais pas si tu n'as pas compris. Le grec, le mot, le nom là, au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, le nom là, même dans le grec, c'est au singulier. Ça veut dire que le Père, Fils et Saint-Esprit, c'est le même nom. Tu comprends? C'est le même nom. Est-ce que Paul, Pierre, Jacques et Jean ont baptisé? Je te baptise au nom du Père. Deuxièmement, je te baptise au nom du Fils. Troisièmement, je te baptise au nom du Saint-Esprit. Est-ce que c'est écrit comme ça? Non. Ils ont compris le message. Ils ont compris que Père, Fils et Saint-Esprit, c'est le même nom. C'est pour cela qu'ils ont baptisé au nom de Jésus. Les démons, on les chasse au nom de Jésus. L'enseignement, on le fait au nom de Jésus. Il y a un seul nom qui nous est donné sous le ciel par lequel nous devons être sauvés. C'est écrit ou pas? Voilà. C'est tellement clair. C'est-à-dire, maintenant moi je te pose la question. Tu crois que tu as un nom? Ok, c'est lequel? Jean-Louis. Hein? Jean-Louis. Jean? Jean-Louis. Non, le nom de Dieu, du Père, c'est lequel? Yahweh. Yahweh. Eh bien, donne-moi ce nom-là dans les écrits de la Nouvelle Alliance. Pourquoi ce nom-là a disparu? Parce que Jésus veut dire... Que signifie Jésus? D'abord, que signifie Jésus? Le nom Jésus ou... Le nom de Jésus, qu'est-ce que signifie le nom Jésus? Par exemple, le Christ, c'est... Le Christ. Ok, oin. Le roi. Ouais. Le Messie. Et Jésus veut dire quoi? Dieu est avec nous? Non. Non. C'est grave. Tu es converti depuis combien de temps? 3 ans. 3 ans. Tu vas dans une assemblée? Oui. On aurait dû commencer par t'enseigner sur Jésus. Tu payes ta dîme là-bas? Non. Ok, on aurait dû commencer par te dire qui est Jésus. Tu vois mon frère, je vois que tu es sincère. Mais on n'a pas commencé avec toi par le commencement. S'ils ont commencé par le commencement, peut-être j'ai oublié. Oh non, ça m'étonnerait. Tu vois, je te pose la question, quel est le nom du Père? Tu m'as dit Yahweh. Pourtant, ni Paul, ni Pierre, ni Jacques, ni Jean ont prononcé ce mot-là. Tu penses qu'ils nous ont trompés? Non. Parce que le nom de Jésus veut dire simplement, Jésus veut dire Yahweh est sauveur. C'est Yahweh qui est venu. Tu vois, non? C'est ça Jésus, c'est Yahweh. Jésus veut dire, je me répète encore, Yahweh est salut, Yahweh sauve. C'est pour cela, de acte 2 à Apocalypse 22, c'est le nom de Jésus-Christ partout. Partout. C'est pour cela qu'il a dit, celui qui ne croit pas en moi ne sera pas sauvé. Quand j'arrive au ciel, dans Apocalypse 4, on l'a arrivé au ciel, non? Une voix lui a dit, monte ici, vrai ou faux? Quand il est arrivé là-bas, est-ce qu'il a vu 3 personnes sur le trône? Il a vu combien d'êtres sur le trône? Un seul être. Qui ressemblait à une pierre, c'est écrit ou pas? Voilà. Et il a vu l'agneau assis à côté ou au milieu? Qui dit au milieu? C'est comme c'est écrit. Mais maintenant, si l'agneau n'est pas le Père lui-même, donc, c'est vrai que le Père écrase l'agneau sur le trône. Si je dois raisonner comme les trinitaires. Vrai ou faux? Jésus veut dire Yahweh est sauveur, mon frère. Tu l'as compris, hein? Yahweh est sauveur. C'est ça, Jésus. C'est Yahweh lui-même qui est venu.
Regarde, Isaïe 35. Un passage que Dieu me donne pour toi. Tu vas toi-même nous le lire. Isaïe 35, verset 4. Verset 4. Qui est choqué? Hein? Non, t'es pas seul. Vas-y, mon frère. Dites à ces dont le cœur palpite, fortifiez-vous, soyez sans crainte, voici votre Dieu. Ok. Continue. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Qui viendra lui-même? Jésus. Dieu, pour nous sauver. Vrai ou faux? Dieu viendra lui-même. Mais c'est Jésus qui est venu. Vrai ou faux? Donc, si y a, comme il y a un seul Dieu, tu le crois ça? Donc, si Jésus est Dieu, ça veut dire que Jésus-Christ est Yahweh. On est d'accord? Ça veut dire que Yeshua est le Père. Voilà. Alors, pourquoi la Trinité? Ben, ça vient du monde. Voilà. Question, okay. Pour comprendre. Pour moi, la Trinité, au début, ça ne voulait pas dire que Dieu est divisé en trois personnes. En fait, c'est ce que la Trinité veut dire. Non, c'était pour moi, ce que j'avais compris, c'était une seule personne qui s'est manifestée dans trois parties. Une seule personne qui s'est manifestée en trois parties. Non, donc là, la partie, c'est grave. Une seule personne, peut-être que c'est les mots qui manquent, mais c'est okay. Une seule être. Donc, un seul être? Oui, qui s'est manifesté dans trois différentes, différentes façons. Ok. Là, je te rejoins. Mais le problème de Trinité, c'est que, de Trinitaire, c'est qu'ils disent, ce ne sont pas des façons, ce ne sont pas des méthodes, des moyens. Ce sont des personnes. Et c'est là que ça fait mal. Tu vois? Parce qu'ils disent que la Trinité veut dire trois personnes distinctes, différentes les unes des autres. C'est ça la Trinité. Tu vois? C'est ça la Trinité. C'est pour cela, tu sais, ça fait plus de 30 ans que je parle de ces choses. Et toi, tu as 3 ans. Donc, c'est pas pour te minimiser. Donc, il faut l'enseignement pour comprendre certaines choses. Il faut du temps. La Trinité, c'est trois personnes distinctes. Que le Père n'est pas le Fils. Le Fils n'est pas le Père. Mais le Père est Dieu, le Fils est Dieu. Tu vois, non? Ils disent, le Saint-Esprit n'est pas le Père. Le Père n'est pas le Saint-Esprit. Pourtant, la Bible dit que Dieu est Esprit. Et qu'il y a un seul Esprit. Alors, ça pose un problème. Maintenant, si le Père n'est pas le Saint-Esprit, Marie est tombée enceinte de qui? Qui l'a engrossée? Qui dit le Saint-Esprit? C'est écrit, non? Maintenant, si le Saint-Esprit n'est pas le Père, ça veut dire que Jésus-Christ a deux pères. Et ça veut dire que le Père a été copu par le Saint-Esprit, trompé par le Saint-Esprit. Donc Marie est une femme polyandre dans ce cas-là. Elle a usé la pratique de la polyandrie parce qu'elle a eu deux hommes. Enfin, ce ne sont pas des hommes, mais deux, vous comprenez, deux géniteurs. Ça pose un problème. L'ange a dit à Marie, l'Esprit de Dieu te couvrira. C'est écrit ou pas? La puissance du Très-Haut te couvrira et tu vas concevoir. Maintenant, si le Saint-Esprit n'est pas le Père lui-même, Dieu Tout-Puissant, ça pose un problème. Tu es d'accord avec moi? Voilà. C'est pour ça que les trinitaires, là, quand ils sont coincés comme ça, ils se grattent la tête et disent, non, en fait, c'est un mystère, tu n'as pas, c'est un mystère, on va comprendre ça, on comprendra ça un jour. Non. Arrêtez de nous mentir, c'est bon. Oui. Esaïe, si tu permets, Esaïe 42, 8. Oui. Si je suis Yahvé, c'est là mon nom. Et il ne donnera pas sa gloire aux hommes. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni ma louange aux images terrestres. Voilà. Il ne donne pas sa gloire à un autre. Dieu dit, il n'y a aucun, il ne connaît pas d'autre sauveur. C'est écrit, non? Et Jésus-Christ est le sauveur du monde, vrai ou faux? Mais Dieu ne se confond, Dieu ne se contredit pas. C'est le même Dieu, c'est le seul Dieu. Tu vois, non? Il s'est manifesté en tant que Père, en tant que Fils, en tant que Saint-Esprit. Ce n'est pas la Trinité, c'est des manifestations différentes de ce Dieu. Tu comprends, frère? C'est plus clair ou c'est encore compliqué un peu? C'est... Non, c'est ce que je comprends de toute façon. Voilà. Le problème, c'est que, est-ce que si j'utilise le mot Trinité pour bien comprendre, au lieu de dire les trois dimensions ou les trois personnes, est-ce que c'est un péché ou ça? Non, c'est pas. C'est... Le problème, c'est que je me répète encore ce que je dis. Si on te dit fou, si on t'appelle fou, c'est qu'il y a la folie. On sait ce que c'est la folie. Quand tu dis Trinité, les mots ont un sens. Tu ne peux pas employer un mot comme ça au hasard parce que ça a un sens.
Quand tu dis un mot là, c'est tout tu. Il y a des conséquences derrière. À moins que tu sois borné, que tu refuses absolument de se mettre la parole. Donc là, dans ce cas-là, je ne peux rien contre pour toi. Donc, soit on utilise les termes bibliques, comme les apôtres, soit on se dit, non, moi je suis rebelle, je ne veux rien comprendre, eh bien, c'est pas un problème, est-ce que c'est un péché? Ben là, c'est ton problème, le Seigneur, et tu ne pourras pas dire, tu n'as pas été enseigné. Le mot Trinité, je me répète encore, va voir un dictionnaire pour que tu comprennes encore mieux ce que ça veut dire. Trinité veut dire trois personnes distinctes. On va pas passer la soirée à t'expliquer ces choses-là, c'est simple. Oui, ma soeur. Plus fort, vous m'entendez pas. Personne. Ok. Et après, il dit, c'est sur trois états, c'est comme l'eau, il y a trois phases. Oui, l'eau, liquide, solide, bien sûr, solide, et tout ça, vapeur. Oui, ça, c'est tout ça, c'est pas la parole. Tout ça, ce sont les inventions des hommes. Voilà. Ça, c'est Didier James aussi qui dit ça. C'est un monsieur qui excite les gens aux États-Unis. Là. Voilà. Donc, moi, tant que c'est pas écrit, je dis, je refuse. On est d'accord? Voilà, si vous voulez suivre les traditions d'hommes, c'est votre problème. Jésus-Christ disait aux pharisiens, vous avez annulé la parole de Dieu par vos traditions. Donc, les enseignements que vous avez reçus, ce sont les traditions d'hommes. Maintenant, le temps de la réforme est arrivé. Il faut une réforme, il faut un retour total à Dieu. Soit vous croyez en Dieu, vous croyez en sa parole et vous serez sauvés, soit vous croyez aux hommes. Et ça, c'est votre problème. Donc, la Trinité est une doctrine d'origine démoniaque. Ce sont les démons qui l'ont inspiré. Voilà. D'accord? Donc, il n'y a pas la Trinité dans la bouche de Jésus. Ça n'existait pas. Oui. Une question. Moi, j'ai été élevée dans cette doctrine-là. Ok. Parce que notre famille, c'est baptiste. Puis là, votre message, c'est comme... C'est juste moi qui l'a reçu, comme je peux dire. Mon mari il m'avait dit comme j'étais née là-dedans, j'ai mouru là-dedans parce que la Trinité c'est ça. Puis c'est comme à la maison, je suis vraiment seule là-dedans. Puis mon beau-père, il est pasteur, il reste là-dedans. Mon père, j'ai appelé en Haïti pour lui dire, il me dit c'est toi monsieur là, quand vous avez le père, le fils, le Saint-Esprit, vous avez tout, il n'y a pas. C'est comme je ne sais pas quoi faire. Puis ma mère est morte. Puis, elle était là-dedans. Ah, si elle était croyante, si elle croyait en Dieu, elle craignait Dieu, elle n'avait pas de problème. Parce que, voilà, c'est parce que c'est le plus important, c'est. Je veux dire. Je sais qu'elle était une bonne chrétienne. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à cela. Mais vous, nous qui sommes en vie aujourd'hui, nous comprenons qu'on a été roulé dans la farine, comme on dit en France. On a été trompé. Vous méditez, vous vérifiez. Ce n'est pas moi qui le dis, vous vérifiez vous-même. Vous croyez que Jésus-Christ est la vérité, la vie, et le chemin, la vérité, la vie? Qui le croit? Vous croyez que tout ce que Jésus a enseigné était la vérité, vrai ou faux? Donc si c'est lui notre modèle, comment, on nous appelle comment? Des chrétiens, c'est-à-dire disciples de... Jésus a dit quoi? Tout disciple accompli sera semblable à son... Mais si Jésus n'a pas enseigné trois personnes en Dieu, mais pourquoi nous on enseigne cela? Parce qu'il a dit que mes disciples, ce sont ceux qui obéissent à ma parole. Si Paul ne l'a pas enseigné, pourquoi nous on l'a enseigné? C'est ce que le frère disait, c'est l'interprétation. Mais moi je crois que derrière ça, il y a une volonté manifeste de Satan, des satanistes, de nous induire en erreur, pour nous cacher le véritable Dieu. Voilà. Jésus dit, il dit aux pharisiens, avant qu'Abraham fût, c'est écrit ou pas? Qui a répondu comme ça à Moïse? Celui qui s'appelle Je suis. Qui a dit ça? Yahweh. On est d'accord ou pas? Voilà. Tu n'as pas encore 50 ans, tu connais la parole frère, voilà. Mon frère David, c'est ça non? Tu n'as pas encore 50 ans et tu dis que tu as vu Abraham? Il dit que mais votre père Abraham, avant que, il m'a vu. Mon frère, voilà un passage pour toi. Dieu t'aime beaucoup. Hébreux chapitre 7. Prends-nous ça. Est-ce que tu sais que c'est plus clair pour toi? C'est encore compliqué un peu. Gloire à Dieu. Ça vient. Après, la sœur va parler. Il nous reste 40 minutes. 7, à partir du verset premier. Ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur de Dieu très haut. Il alla
à la rencontre d'Abraham qui revenait de la défaite des rois et le bénit. Mm-hmm. C'est à lui qu'Abraham donna la dîme de tout et en interprétant son nom, il est tout d'abord roi de justice, mm-hmm. puis aussi le roi de Salem, mm-hmm. c'est-à-dire roi de paix. Mm-hmm. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement des jours, ni fin de vie. Et rendu semblable au Fils de Dieu, il demeure sacrificateur à perpétuité. Mon frère, qui est Melchisedec ici? Jésus. Jésus, on est d'accord? Caplan. On est d'accord. Bon, tu es d'accord que c'est Jésus? Oui. Maintenant, lis-nous la partie où on nous dit qu'il a... Relis-nous le verset. Attends. Qu'il est sans père, sans... Non, c'est... Bon. Il est sans père. Oh! Qui est sans père ici? Jésus. Amen. Là, pas en tant qu'homme, mais en tant que Dieu. Donc Dieu n'a pas de père. Mais d'accord. Mais c'est Jésus en tant que Dieu. Tu es d'accord avec la parole ou pas? Oui. Ok. Donc si Jésus-Christ en tant que Dieu n'a pas de père, alors qui est le père? C'est Jésus. C'est Jésus. Continue. Sans mère. Oh, sans mère. Donc Marie n'est pas la mère de Dieu. Amen. Alléluia! Jesus. Oh. On est d'accord. Continue. Sans généalogie. Sans généalogie. On a vu sa généalogie là-bas. Il y en a deux. Dans Matthieu et Luc, en tant qu'homme. Mais en tant que Dieu, il n'a pas de généalogie. Continue. Il n'a ni commencement des jours. Ni commencement des jours. Ni fin des jours. Ni fin des jours. C'est pour cela qu'il a dit, je suis l'alpha et le premier et le. Continue. Et rendu semblable au Fils de Dieu. Acclamez Jésus-Christ de Nazareth, mes amis. Frère, est-ce que c'est plus clair là? Oh Jésus! On doit vous parler de Jésus. Au lieu de vous parler de bâtiments, cotisons, on va construire l'église. L'église a déjà été bâtie il y a 2000 ans. Vous allez construire l'église encore? Oh, je vais à l'église. On ne va pas à l'église. Nous sommes l'église. Amen. Alléluia. Amen. Oh, donnez la dîme, vous serez bénis. Nous sommes déjà bénis. Tiens, ton voisin, garde ton argent, donne-le aux pauvres. Amen. Voilà. N'allez plus enrichir vos bishops ici, vos menteurs, vos escrocs, n'est-ce pas, qui roulent dans des gros 4x4, dans des Cayenne, Porsche Cayenne, qui sont en costard et cravate, qui éclaircissent la peau pour les Africains. Voleurs. Alléluia! Vous connaîtrez la vérité, la vérité! Tiens, ton voisin, Babylon! Tiens, ton voisin, voleur! Voilà! Alléluia! Ils sont assis sur les estrades, qu'ils soient canadiens, africains, ils sont sur des fauteuils en cuir, vous êtes sur des fauteuils en plastique. Avec un salaire par mois. Vous n'avez pas été délivré par Jésus pour payer les pasteurs. Vous n'êtes plus esclaves. S'ils veulent un salaire, qu'ils aillent travailler. S'ils veulent manger, qu'ils aillent travailler. Vous vous levez à 5 heures pour aller bosser, hein, tomber dans les bouchons, dans les embouteillages. Vous gagnez difficilement votre argent et lui, il est là, il pionce, il dort. Et puis il dit, donnez-moi vos dîmes, je vais manger ça pour que vous soyez bénis. Mais je suis déjà béni, pasteur. Tu es un frère comme moi, je suis ton frère. Bah ouais, non, moi je suis bishop. Bah oui, mais c'est toi bishop, moi. Tu es quand même mon frère avant tout. Moi, Jean, votre frère. Qui commence à. On doit parler de Jésus, frère. Jésus qui est Dieu. Pendant des années, on était là, Trinité. Trinité. Bon, aujourd'hui, je vais prier le Père. Père, je vais te voir, tout ça. Et demain, bah, je vais quand même faire l'équilibre. Jésus-Christ, je vais te voir. Et après, bon, c'est le tour du Saint-Esprit. Voilà. Saint-Esprit, bonjour, Saint-Esprit. Bonjour. Oui. Hein? Saint-Esprit, Jésus est dit, ça c'est dans votre Bible, l'Esprit de Jésus, il est Dieu. Lors de son service terrestre, le Seigneur déclara qu'un consolateur viendra habiter dans les corps des croyants. Cette parole s'accomplit lors de la Pentecôte. C'est ça. Jésus a dit, dans peu de temps, vous ne me verrez plus.
et dans peu de temps, vous me verrez. Et il est revenu sous la forme de l'esprit. Voilà. Voilà, c'est là, il travaille avec nous, en tant que Dieu. Voilà. Par le Saint-Esprit, bien sûr. Par l'Esprit de Dieu, par sa puissance. Voilà. Oui, oui, non, mais c'est parce que Dieu est esprit. On l'a dit depuis tout à l'heure, Jean 4 nous dit quoi? Dieu est esprit. Et il n'y en a qu'un d'esprit. Il faut l'adorer en esprit et en vérité. Donc, en tant qu'esprit, eh ben, il nous donne les dons de l'esprit, il nous donne les fruits de l'esprit. En tant qu'esprit, il nous conduit. Les dons de l'esprit, tout ça, bien sûr. Donc, il y a un seul Dieu. Amen. Alléluia, et son nom c'est? Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de la loi. Tout le monde dira que Jésus est Seigneur. Oh! Adorons Jésus. Et le Dieu a dit à Moïse, tu n'adoreras pas d'autre Dieu. Quand Jésus est né, on l'a adoré. Les mages, les sorciers. C'est ce qui s'est passé. Dieu est allé chercher les sorciers. Qui croit que Jésus est l'étoile du matin? Vous voyez, non? Frère, il était bébé, non? Et en même temps, étoile là-haut, ça ne choque personne. C'est l'étoile Jésus-Christ qui a indiqué le chemin de la maison où se trouvait le bébé Jésus. Bébé sur terre, étoile là-haut. C'est ça, Jésus. Le GPS, là, ça va commencer aujourd'hui, c'est dans la Bible. Alléluia! Oh, Jésus, il faut l'aimer, c'est lui qu'il faut craindre. Oui, ma soeur. Genèse 1:26. Créons l'homme, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alors pourquoi faisons? Bah oui. Là c'est aussi une des questions que les trinitaires aiment poser. Ah, Genèse 1:26. Tu vas faire l'homme le coincé. Dieu est le roi des. Les rois parlent toujours au pluriel. Généralement. Tu vois, non? Voilà. C'est pas comme s'ils étaient trois en train de se battre. Hein? Bon, on va faire comment? On va faire une réunion entre Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit. On va s'organiser. Non, non. Il y a un seul Dieu. Quand la Bible dit qu'il y a un seul Dieu, que Dieu est un, il est un. La Bible est vraie. Donc, le faisons là, c'est le pluriel d'excellence, tout simplement. Comme Elohim. Ou Elohim. D'accord? Voilà. C'est Dieu avec tous ses sujets, tout son royaume céleste, tout ça là. Voilà. Ouh Seigneur. Alors je sais que quand vous allez voir vos pasteurs trinitaires là, ils vont vous dire, oh là 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 là, vous avez été là-bas dans une secte. Oh là là, il ne faut même pas y aller, surtout pas. Et ils vont vous dire quoi? Vous avez vu les grands hommes de Dieu? Les béni-in, tout ça, pour eux, ce sont les grands hommes de Dieu. Hein. Alors oui, eux-mêmes, ils croient à la Trinité. Vous pensez que lui, là, il va... Mais je ne suis pas le seul à dire ces choses-là. Même Calvin, le grand réformateur français, Jean Calvin, même Luther, eux-mêmes n'étaient pas d'accord avec la Trinité. Mais ils avaient peur de prendre une position parce qu'ils savaient que, déjà à l'époque, dire que Dieu n'est pas trinitaire, c'est se créer des problèmes avec la religion majoritaire, c'est-à-dire l'Église romaine. Voilà. Et c'est grave. Qui est Dieu? Jésus est Dieu. Jésus est Seigneur. Vous pensez vraiment que si Jésus-Christ n'était pas le Père, le Dieu Tout-Puissant, il allait être l'objet de, mes amis, de toutes les Écritures? Il a dit lui-même, Moïse a parlé de lui. Les prophètes ont parlé de lui. Comment Dieu qui dit dans Ésaïe, effectivement, qu'il ne peut pas donner sa gloire à un autre, va prendre quelqu'un d'autre pour dire à tout le monde, adorez-le. Dieu, dans ce cas-là, se contredirait. Vous voyez? En fait, c'est Dieu qui est descendu. Quand on comprend que c'est le Père lui-même qui a pris la forme humaine pour nous sauver, en tant qu'homme, non, en tant que Dieu, parce qu'il a vaincu le péché en tant qu'homme, avec la puissance du Saint-Esprit, pour nous montrer le modèle que nous, les humains aussi, nous pouvons vaincre le péché par la puissance de son Esprit.
Tu vois, il a vaincu Satan, non en tant que Dieu, parce que Dieu est tellement puissant qu'il ne va pas se comparer au diable. Ah non, il n'y a pas de... Non, non. Satan est trop petit par rapport à Dieu. Et donc là, Dieu prend la forme humaine avec une chair liée à ce jeu-ci, à la faiblesse, mais sans péché. Et avec l'Esprit de Dieu, il a vaincu le péché. Il a vaincu Satan. C'est pour ça, à la croix, en tant qu'homme, il parlait comme ça. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est-à-dire, livré au péché. Livré pour nous, pour nous sauver. C'est ça, en fait. Vous voyez? C'est tout. Et c'est pour ça qu'il a dit, je reviendrai. Regardez, Zacharie 14 nous dit quoi? Yahweh paraîtra et Yahweh viendra, sortira et posera ses pieds sur le mont des oliviers. C'est écrit, non? Yahweh va poser ses pieds sur le mont. Et les anges nous disent quoi? Ce Jésus-Christ qui a été enlevé du milieu de vous, de la montagne des oliviers, reviendra de la même... Amen. Et c'est lui, Yahweh. Amen. C'est lui, Yahweh. Yahweh. Yahweh, Yahweh, oh tu es mon espérance. Celui qui réalise que Yeshua est le Tout-Puissant et qui le croit et qui vit selon la parole, aucun démon ne peut même pas le toucher comme ça. Amen. Ah, les sorciers, alors là, on ne parle même pas. C'est-à-dire, cet homme-là, cette femme-là, qui croit à ces choses-là, qui croit en Yeshua et qui applique sa parole, qui réalise que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Frère, comme il se lève de la prière, il commence à prier pour sa famille, pour ses enfants. Il n'a pas besoin de prier des heures et des heures. Adorer Dieu pendant toute la nuit, oui, ça, il faut le faire si on peut. Mais juste une prière d'autorité pour protéger la famille en disant, Seigneur, tu es mon Dieu, Yeshua. Tout je le fais devant ton nom. Amen. Je proclame, je confesse qu'aucun démon, aucun sorcier de ma famille ne peut toucher à mes enfants. C'est fini. Dors dans la paix, dors. Tu n'as pas besoin d'aller voir un pasteur. C'est fini. C'est le pasteur, tu vas aller voir juste pour dire j'ai prié pour un handicapé, tu l'as guéri. Ah bon? Ah oh bah oui, t'es prophétesse. Non, je suis fille de Dieu. Amen. Viens, je vais te former. Non, non, l'esprit me forme. Amen. Donne ta dîme. Non, Jésus a tout payé pour moi. Il a effacé l'acte. Oh, Jesus Christ. Il a effacé. C'est écrit ou pas? C'est moi qui l'ai effacé ou c'est Jésus? Il a effacé l'acte avec son sang. Il a effacé l'acte dont les ordonnances étaient contraires contre nous. Et il a illuminé. Et il a triomphé. Il a exposé. Il a convoqué tous les démons à la croix. Il a triomphé. Il a pris leurs armes. Voilà. Il a exposé les principautés, les dominations. Il a triomphé d'elles. À la croix, c'est ça Jésus. Il a dit, personne ne peut vous ravir de ma main ou de la main du Père. Parce que c'est la même main. C'est ça Jésus, le Dieu Tout-Puissant. Moi, quand je vois ces chrétiens là, ils sont en train de courir après les hommes. Des hommes, mais non, ils ne sont pas chrétiens, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Quand moi je suis malade, je veux voir qui. Je prie. 23 ans, je suis allé voir, et demi, je suis allé voir aucun médecin. Comment je fais? Je n'ai pas de couverture sociale comme vous ici, comme en France. Je sais pas, je n'ai moins pas de couverture sociale, parce que ma foi. Je suis socialement et spirituellement couvert. Et ça, Jésus, il est le même hier. Quand on dit hier, c'est hier quand? C'est quand? Hier. Il y a 2000 ans? Non, c'est faux. Mais non. On nous dit qu'il n'a pas de commencement de vie. Donc hier, là, c'est l'éternité passée. Alléluia! Amen. Quand il a dit créons l'homme, oh Jesus Christ, c'est lui qui a créé. Au commencement était là, parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole qui est Dieu s'est faite. Mais c'est ça Dieu. Jesus. Donc hier, c'est pas il y a 2000 ans. Non, hier c'est l'éternité passée. Il est le même. C'est-à-dire qu'il a toujours été le Père, le Créateur, le Tout-Puissant. Et aujourd'hui, Dieu peut encore sauver, il peut encore libérer, il peut encore guérir, il peut encore protéger. David a dit, Yahweh est mon berger. C'est écrit, non? Et Yeshua a dit quoi dans Jean 10? Je suis le bon berger. David disait, Yahweh est mon berger. Yeshua a dit, non, non, tu as oublié le bon. Je suis le bon. Oh, Jésus.
Et les gens disent, mais pourquoi quand quelqu'un l'a appelé bon maître, pourquoi il a dit, il n'y a que Dieu qui est bon? Ben oui, parce que là, c'est le côté Dieu. Là, maintenant, quand il est venu, il a dit, je suis le bon berger. Ben oui, frère. Il dit, je suis la porte. Comment quelqu'un peut-il être à la fois porte, lion, agneau, l'eau, le feu, la parole, le soleil, l'étoile prière du matin, hein, mes amis, alléluia, le sel, le père de d'éternité, un enfant, un fils, il remplit toutes les qualifications, toutes les, oh, mes amis, les adjectifs. Jésus, vous voulez le comparer à qui? Il dit, qui de vous peut me convaincre du péché? Dit qui? Les pharisiens ont souffert comme ça avec lui. Un pharisien l'invite à dîner. Il va manger, il rentre chez lui. Le pharisien s'attendait à ce que le Seigneur se lave les mains. Le Seigneur a commencé à marcher tout de suite. Oh, Jésus est trop fort. Il provoque les situations, mes amis. Le pharisien, il était stupéfait. Il dit, mais qu'est-ce que se passe? Mais c'est pas la même. Il dit, vous, hypocrite. Il a traité ce monsieur, père de famille, devant ses enfants, certainement, et sa femme, d'hypocrite. Il y a un docteur qui était là, il dit, Seigneur, en parlant, c'est aussi nous que tu outrages. Il dit, vous, docteur de la loi, hypocrite. Attends, tu m'invites chez toi et je commence à te rentrer dedans. Vous voyez, ça, c'est Jésus. C'est pas le petit Jésus que catholique qu'on vous a prêché. Jésus évangélique de tout ça, qui court après votre argent, qui est impressionné par votre voiture, tout ça. Oh, 4-4, oh, lolo, tu te donnes diacre. Alléluia! C'est pas ce Jésus dont je vous parle aujourd'hui. Non! T'as une grosse auto, comme on dit ici, auto. Ah, ancien. Bras droit du pasteur. Le Jésus dont je vous parle là ce soir, là, vous allez avoir la prière. Il est né dans une étape. Quand il est, avant de naître, tous les hôtels étaient occupés. Réservé comme ici là, 3-4 étoiles, fini, toutes les chambres occupées. Dans une étape. Au milieu des animaux là. On a voulu le tuer. Il est allé demander l'asile en Afrique, il était encore bébé. C'est pas seulement au Canada, les immigrants. Jésus a été immigré, tout ça là en Afrique. Amen. Migrants. Alléluia. Amen. Oh Jésus. À l'âge de 30 ans, il s'est fait baptiser. Il est parti dans le désert. Confronter Satan. Jésus, il a fait 3 ans seulement. 3 ans. Bouddha a fait comme plusieurs années. Mohamed, plusieurs années. Jésus seulement 3 ans. Mais le monde est bouleversé. Amen. On parle d'avant Jésus et d'après Jésus. Même ceux qui ne veulent pas prononcer son nom, ils le prononcent quand même. Amen. Même le daté. Ah, Jésus, hein? Alléluia! Il a bouleversé les nations. Il a bouleversé les choses. Il était plus grand que les philosophes. Lazare tombe malade. Il dit non, il dort. Il était mort. Il dit non, il dort. Pour lui, la mort, c'est juste un sommeil. Je veux le réveiller. Il arrive devant la tombe. Il dit ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Il dit non, mais il sent déjà. Ça fait plusieurs jours. Il dit allez, enlevez la pierre. Il dit Lazare, sors. Tu es en prison ici au Canada. Je vais devant la prison. Au lieu d'appeler le directeur de la prison pour qu'il te libère parce que lui qui a les clés. Moi je t'appelle. Comment est ton prénom? Gabriel. Gabriel sort. Mais le directeur de la prison va dire, mais attends, Chorey, il se prend pour qui? C'est moi le chef ici, il ne passe pas par moi, il appelle la prisonnière. Jésus c'est comme ça. Et quand il a parlé, la mort et le séjour des morts, c'est les démons, l'enfer, ils ont dit, Lazare, le maître t'appelle. Il y a maître et maître. Alléluia. Aujourd'hui, tu vas sortir de ta tombe, de la religion, de la confusion, de la dépression, de la maladie, au nom de Jésus. Il y en a qui commencent à sortir. Je vous dis, là, ça sort. Au nom de Yeshua. Vous allez voir que Jésus-Christ que je prêche là, il vous guérit. Là. Vous allez, vos maladies, là, vous allez témoigner vous-même. Ce monsieur-là ne dit pas de mensonge. Vous allez témoigner qu'il est Dieu. Parce qu'il prouve, qu'il confirme sa parole par les signes. Au cancer,
Oh, sida, je ne sais pas quelle maladie. Oh, lève-toi. Nom de Yeshua, cette maladie là, ça n'aille. Définitivement, au nom de Yeshua. Sors de là. Fini, au nom de Yeshua, fini cette confusion là. Fini. Jesus. C'est bon, c'est réglé. Il y a la mort qui suit quelqu'un ici, de la mort. Tu vas vomir cet esprit-là. Au nom de Yeshua. On t'a livré à la mort, je parle à quelqu'un ici. Livré à la mort. Condamné. La puissance de Dieu vient briser ses chaînes afin de te permettre de le servir pleinement, totalement. Au nom de Yeshua. Maintenant, cette chaîne, Dieu la brise aujourd'hui. Cet esprit de nuit qui vient t'attaquer aujourd'hui, Dieu lui donne l'ordre, un ordre précis. De lâcher ta vie. Car tu es appelé à servir le Seigneur. Tu es appelé à servir le Seigneur pleinement, à proclamer sa parole, à témoigner de sa gloire. Et au travers de ta délivrance aujourd'hui, que tu attends depuis des années, depuis longtemps, au travers de cette délivrance aujourd'hui, tu vas témoigner de la gloire du Seigneur au nom de Yeshua. Oh, allez, le Seigneur, merci pour cette dépendance, cette chaîne que tu brises ce soir par la puissance de ta parole, par la puissance de la résurrection, mon Dieu, mon Père, au nom de Yeshua. Merci pour l'œuvre de la croix dans laquelle cette personne, mon Dieu. Merci pour cette guérison que tu accordes à ma sœur. Au niveau de son dos, Seigneur, mon Dieu, qui l'a fait souffrir depuis des années, mon Dieu. Merci pour ta main puissante que tu poses, Seigneur, sur son dos, là, au nom de Yeshua, le Seigneur des Sauveurs, au Dieu de gloire. Merci pour ton amour, Seigneur, mon Dieu. Merci pour ce frère que tu délivres également, mon Dieu, de cet esprit qui vient l'attaquer tout le temps, mon Dieu, Père, qui veut briser sa famille, son foyer. Seigneur, au nom de Yeshua, le Seigneur te sort de ce trou, mon frère, afin que tu le serves véritablement. Ça va être cette délivrance, ça va être un témoignage pour toi. Tu vas témoigner la gloire du Seigneur partout à cause de ce témoignage, à cause de cette délivrance, cette guérison, cette restauration dans le nom de Yeshua. Quelqu'un ici qui pleure beaucoup, le Seigneur est en train de essuyer ses larmes et complètement parce que l'amour du Père et, te manque et le Seigneur vient guérir ton cœur par rapport à cette absence de l'amour du Père. Au nom de Yeshua, le Seigneur est sauveur. Et des réponses que tu attends depuis des années, depuis longtemps, le Seigneur te dit ce soir, ben, c'est lui qui t'a... Il t'a façonné, celui qui t'a créé, celui qui t'a mis dans ce désert où tu pleures, dans ce désert où tu te sens seul, et le Seigneur est en train de façonner en profondeur ton caractère, tout ça, il est en train de briser ton caractère afin que tu le serves pleinement au nom de Yeshua, le Seigneur le Sauveur. Seigneur, merci pour la puissance de la résurrection. Cette personne qui demande au Seigneur d'augmenter sa foi depuis quelques temps parce que tu sens que ta foi est en train de vaciller, le Seigneur est en train de te restaurer également ce soir, de consolider ta foi, de fortifier ta foi. Car tu es appelé aussi à parler du Seigneur aux jeunes, au nom de Yeshua, le Seigneur le Sauveur. Le Seigneur façonne ton cœur ce soir, au nom de Yeshua. Et ta foi, ça va être une grande foi, tu vas avoir une grande foi de déplacer les montagnes, au nom de Yeshua, le Seigneur le Sauveur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ces hommes et ces femmes, Seigneur, que tu guéris, que tu restaures, Seigneur mon Dieu, Père, au nom de Yeshua. Seigneur, nous bénissons ton nom pour les hommes et les femmes que tu es en train de restaurer ce soir. Merci pour le Canada, Seigneur mon Dieu. Le Seigneur t'appelle vraiment pour le Canada, il t'appelle pour cette nation, il t'appelle pour libérer beaucoup de gens ici au Canada. Et tu sens cet appel depuis quelques temps, depuis le vent de ta main, le Seigneur t'a vraiment consacré comme Samson. Tu t'es toujours senti à part. Et il y a beaucoup de pleurs, beaucoup de larmes que tu verses. Et le Seigneur veut vraiment restaurer ton cœur, restaurer ta vie au nom de Yeshua, le Seigneur le Sauveur, ma sœur. Alléluia, gloire à Dieu. Il y a vraiment cet appel pour prophétiser. Prophétiser. Le Seigneur va saisir ta langue, ta bouche. Il va de plus en plus ouvrir ta bouche pour que tu puisses parler de sa part. Dans le nom de Yeshua, le Seigneur le Sauveur. Au nom de Yeshua. Père, merci. Merci Seigneur pour toutes ces guérisons, toutes ces restaurations au nom de Yeshua, le Seigneur le Sauveur. Gloire à Jésus. Seigneur, merci. Cet esprit, je parle à quelqu'un qui pensait te contrôler. Cet esprit de famille, de ta famille qui pensait te manipuler, qui pensait détruire ta vie
à cause de la jalousie, cet esprit a été dépêché pour te détruire. Je parle à une personne ici qui est vraiment en souffrance. Ce démon est en train de quitter ta vie, jeune fille, maintenant. Sors ! Non ! Si ! Non ! Si ! Non ! Amenez-moi les deux là. Amenez-moi les deux là. Elle est aussi là. Amenez-moi les deux là. Quittez là. Non ! Quittez ! Non ! Quitte, esprit de vaudou. Non ! Sors d'elle ! Esprit des eaux. Non ! Je dis sors. Quittez-moi ces deux femmes là. Quittez-moi ces deux jeunes femmes là. Au nom de Yeshua. Allez, sortez. Sortez au nom de Yeshua. Sortez. Sortez. Je suis l'envoyé de Dieu. L'envoyé de Dieu. Et tu le sais, à genoux, maintenant. À genoux, démon. Jesus Christ. Jesus. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle, esprit des eaux. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle, esprit des eaux. Sors d'elle. Au nom de Yeshua. Je te dis, toi, esprit de colère, esprit de vengeance, esprit guerrier. Vous voyez cet esprit-là? S'il n'y avait pas Dieu avec moi, là, ce démon-là allait me tabasser. C'est là, démon. Vent. Au nom de Yeshua. Ce démon est prêt à me taper, mais comme la puissance de Dieu est là, il ne peut rien, 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 rien. Lâche ! Sors ! Allez, quitte ! Maintenant, maintenant, quitte-la, 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 mami Wata. Quitte-la, mami Wata. Voilà, allez, sors d'elle. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, Lord. Allez, lâche-la. Sors d'elle. Sors d'elle. Ça va sortir d'elle. Là, ça, c'est un esprit de zoo. Un esprit de zoo, c'est un gros serpent qui est là, là. Ça va sortir, elle va vomir cette chose au nom de Yeshua. Là, c'est aussi un gros serpent qui est là, là. Je trouve là. Vous voyez? C'est avec le vaudou. Satan veut se servir d'elle pour détruire des gens, détruire des foyers, alors qu'il y a un appel sur sa vie. Et Dieu veut la libérer aujourd'hui au nom de Yeshua. Tu vas la lâcher. Lâche-la. Lâche-la, démon. Lâche-la. Allez, sors. Allez, remonte, sors. Sors. Sors d'elle. Qui croit que Dieu peut la libérer? Oh, Lord God. On a parlé du nom de Jésus. Vous voyez? Il y a d'autres démons qui vont sortir ce soir. On nous a accordé encore une heure de temps. Le Seigneur va pouvoir glorifier son nom. Nom de Yeshua. Alléluia! La puissance de Dieu est là. La puissance de Jésus de Nazareth. Jesus Christ. Il y a un troisième démon qui va se manifester là. C'est un esprit de nuit, un mari de nuit, un esprit qui vient détruire, combattre une femme, combattre quelqu'un la nuit. Tu vas sortir, sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle. Quitte-la au nom de Yeshua, quitte-la. Quitte-la, je dis quitte-la. Voilà, vous voyez ça? C'est son mari de nuit. On acclame le Seigneur pour la puissance véritable. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, Dieu est grand. Seigneur, merci pour la puissance de la résurrection. Faut l'amener, ce mari de nuit là. Faut l'amener. Tu vas la lâcher. Lâche-la. Lâche-la. Sors d'elle. Sors de ma soeur. Quitte ce corps. Tu vas quitter ce corps ce soir. Non. Si. Oh, non. Si. Non. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ. Oh, la puissance de Dieu. Oh, la puissance de Dieu. C'est plus ta femme. Sors d'elle. Voilà, c'est plus ta femme. Regarde-moi ça. Là. Elle n'est plus ta femme. Tu m'entends? Non, elle n'est plus ta femme. Vous avez vu ça? Ce démon. Ceux qui n'ont jamais vu ça, ne soyez pas choqués, c'est dans la Bible tout ça. Là. Il y a des choses qui vont sortir ce soir. Vous allez réaliser que Dieu existe, que Dieu est tout puissant. Lâche-la. On l'a marié la nuit à son insu, à ce démon. Ah oui, tu vas la lâcher. Vous allez sortir aujourd'hui. Il y a un quatrième démon qui est ici. Il y a un quatrième démon qui vole l'intelligence de quelqu'un. Voilà, ça sort, hein. Il n'y a pas besoin de forcer. Dieu est là, ça va sortir. D'eux-mêmes là, ça va sortir, les démons là, ils vont partir. Il y a un quatrième démon. Ça vole ton intelligence. Tu n'arrives pas à retenir les choses. À retenir les choses. Et là, tu es là où tu as. C'est là où tu es assis, là où je parle à cette personne. La puissance de Dieu vient sur toi. L'esprit de vérité, l'esprit de Dieu est en train de saisir ta vie, de te libérer de cette souffrance.
de te libérer de ces chaînes. La puissance de la résurrection vient te rendre libre. Cette chose-là va remonter, va sortir là, au nom de Yeshua. Alléluia. Dieu va restaurer ta pensée. Dieu va restaurer ton âme, va restaurer ta vie, va restaurer tout ce que tu fais là. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, la puissance de Dieu. Alléluia. Dieu d'Israël, la puissance de Dieu. Oh Dieu de gloire. Oh la puissance de Dieu. Oh l'onction du Saint-Esprit. Oh alléluia. Waouh, Saint-Esprit, merci. Merci. Ça vomit là, ça va sortir. On va prendre les sacs là, c'est bien là. Ça va vomir des choses là. Ce soir là, c'est la puissance de Dieu qui tombe sur nous là, qui brise les chaînes au nom de Yeshua. Lâche-la. Viens ici avec ce corps là. Viens ici. C'est un ordre. Viens ici. Tu sais qui je suis, le royaume de Dieu. Allez, ici, démon. Tu ne pourras pas la tuer. Jésus a vaincu ton maître. Oh. Oh. Ah, faut parier, faut prier. Ah oui, parce que ça peut sortir, rentrer en toi si tu ne fais pas attention. Sors! Vous voyez la reine là? Je suis une reine. Et je suis dans sa famille. C'est moi qui gouverne. Je suis jalouse d'elle en même temps, ok? Elle peut séduire comme ça. Si elle veut. Elle veut changer maintenant. Elle ne m'écoute pas. Elle ne veut rien faire pour moi. Dieu a mis quelque chose en elle que... Je peux pas manifester. Oh Seigneur de gloire. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh. Oh. Il y a plein d'anges ici qui viennent d'arriver ici ce soir là. Il y a une onction ici là, mes amis là. Oh, il y a plein d'anges en ce lieu. Il y a une onction terrible ici. Je vois des démons qui fuient. Je vois des maladies qui sortent. Des guérisons miraculeuses ici, mes amis, là. Oh, Saint-Esprit, merci. Alléluia, alléluia.
Seigneur délivre des gens qui sont condamnés par la médecine. Le Seigneur est en train de les délivrer ce soir. On doit vraiment garder sa présence. Le Seigneur délivre, il délivre, il délivre, il délivre, il délivre. Ça sort. Ça sort, ça sort, ça sort, ça sort. Ça sort. Quelqu'un ici condamné par la médecine, tout ça, le Seigneur est en train de la libérer, cette personne, au nom de Yeshua. C'est fini ton règne. Tu m'entends maintenant? Ton règne est fini. Toi, femme, toi, cette vieille dame que je vois là, au nom de Yeshua, à genoux maintenant. À genoux, à genoux. À genoux! Si je sors, c'est toute ta famille qui est délivrée. Ah ben, c'est toute ta famille que Dieu va délivrer. Genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. 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 Il est Seigneur. Il est Seigneur. Oh, oh Jesus Christ. Finis le vaudou dans ta famille. Aujourd'hui, Dieu te rend libre. Il rend libre ta famille. Jesus Christ. C'est fini. Ma soeur, Yeshua que je sers, Yeshua Amashia que je prêche aujourd'hui au Canada, dans les nations, me dit de te dire que ta vie aujourd'hui est libérée de la puissance de la sorcellerie familiale. À genoux, maintenant, au nom de Yeshua. Maintenant. 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 Oh, Jesus Christ. Fini. 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 Toutes ces années de souffrance là, tu ne seras plus un instrument entre les mains de ce serpent. Tu vas te marier, avoir une vie normale et servir le Seigneur de gloire et gagner beaucoup d'âmes dans le royaume de Dieu au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Je prophétise cela, je déclare cela sur ta vie. Je prophétise la joie, la paix dans ta vie au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Fini. Oh, Jesus. Oh, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Si vous n'avez pas Dieu, il ne faut pas toucher ce genre de personnes. Ah oui. C'est la haute sorcellerie. Je vous dis. Soyez le... Ce démon ne peut même pas me toucher. Dieu a brisé, paralysé ses membres, ne peut même pas me toucher. Mais s'il n'y a pas Dieu avec toi, là, tu reçois des coups. Ah oui? Jesus. Tais-toi. Tais-toi. Au nom de Yeshua. Je sens que Dieu veut faire quelque chose de nouveau ici à Montréal. Amen. Oui. Oh, Jesus Christ. Donne-moi ta main. Donne-moi ta main, mon Yeshua. Ta main. Le mari de Dieu, là, il reçoit des gifles, il reçoit des fouets des anges là-bas, là, mes amis. Là. Là. Ta main, mon Yeshua. C'est quelqu'un de sa famille. Ta main. Au nom de Yeshua. Ta main. C'est ta main. Ta main. Ben, c'est quelqu'un de sa famille, je sais. Ta main. Ta main au nom de Yeshua. Voilà. Tu es obligé. Ta main. Donne-moi ta main maintenant. Dans le nom puissant de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Vous voyez avec ça, là, c'est normal qu'elle ait couché avec un homme dans son assemblée là-bas, comme elle a témoigné hier. Vous vous rappelez, non? Elle a témoigné. Ben, c'est normal avec ce démon-là. Dans une église, là, les hommes, ça tombe. Hein? Ah ben oui. Ta main au nom de Yeshua. On n'est pas là pour faire de la comédie, on est là pour proclamer Yeshua. Voilà. Viens ici. Regardez-moi cette sœur. Vous l'épousez là. C'est des problèmes dans le foyer, les deux. Hein? Regardez-moi ça. Vous voyez ça? C'est un boa qui est en train de sortir. Énorme. Énorme. Oh, Jesus. Oh, Jesus Christ. Oh, Jesus Christ. Elle est mariée, là? C'est ta femme? Viens ici. Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Cette partie-là qui reste, là. Allez!
tu sors au nom de Jésus de Nazareth. T'as déjà vu ça? Ça fait combien d'années que vous êtes mariés? Une année. Vous avez des enfants? Non. Oh, Jesus Christ. À genoux. À genoux. Votre. À genoux, démon. Si. Non. Oh. Elle n'est plus ta femme. Elle n'est plus ta femme. Son mari est là devant tout le monde. Elle n'est plus ta femme. Tu vas la lâcher. Je proclame le divorce entre toi et elle. Au nom de... 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 Acclame-tu là-bas, acclame-tu là-bas. Oh! Mais c'est grave ici au Canada. Viens te voir un mari de nuit. Un autre mari de nuit là. Portez-la ici, cette dame-là. Vous voyez qu'il fallait, du temps. Merci encore pour le propriétaire de la salle qui nous a donné encore du temps là. Et je veux prier pour vous, messieurs. Dieu va bénir vos affaires au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Oh, Jesus Christ. Oh, Jesus Christ. Oh, Jesus Christ. Tu veux la voir libre, libre, non? Pour retrouver ta femme. Oh, Jesus. Oh, Jesus. C'est fini, le démon est parti là, c'est réglé au nom de Yeshua. Oh, Jesus. Oh, nom de... Elle l'a marié depuis le ventre de sa mère. Donc toi, tu as épousé une femme qui appartenait déjà à un démon. Tu ne savais pas. Voilà. Ben, sinon, tu ne l'aurais pas épousé, c'est normal. Mais t'inquiète pas, le Seigneur va être en train de la libérer, et tu vas retrouver ta femme, et vous aurez beaucoup d'enfants. Au nom de Yeshua, le Seigneur le Sauveur. Jesus! Sors! Voilà! Allez, sort! Allez, sort! Allez, sort! Allez, sort! À genoux maintenant! 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 Au nom de Jésus! À genoux! À genoux, démon! Oh Jésus de Nazareth! Seigneur, ton nom est puissant! Ton nom est glorieux! Fini! Fini! Allez, à genoux et tu sors! Jesus Christ! Tout son ventre là! Au niveau du ventre, il y a quelque chose qui reste là. Allez, allez, go, allez, go, allez, go, allez, go. Voilà. Fini. Oh, Jesus Christ. Voilà. Voilà. C'est ton jour. Oh, j'aime le Seigneur. Oh, j'aime Jésus. Fini. Fini. Allez, à genoux. Maintenant. Tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Fini. Le divorce est prononcé ce soir. La séparation est prononcée ce soir. La libération de notre sœur est acquise, actée, grâce à Jésus. Voilà. Donc quand tu es allé avec elle, c'était avec ce serpent. Voilà. Voilà. Qui réalise que les gens souffrent? Voilà. Il y en avait ici, là-dedans, là. C'était un zoo, dans ce corps-là. Plus de 3000 démons, là. Ça sort. Voilà. À chaque fois qu'elle tousse là, ça sort. Hop, ça sort. Hop, ça sort. Oh, le Seigneur est bon. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Vous êtes mariés dans une assemblée? Hein? Ok. Waouh! Mon frère David, ça va? Tu es choqué? Hein? C'est extraordinaire, hein? Ah, mais c'est ça le nom de Jésus. C'est sa famille qui l'a marié à ce démon.
Et lui, il a invité plusieurs autres démons. Tu as beaucoup pleuré, tu as beaucoup souffert, ma soeur. Aujourd'hui, c'est ton jour, car Jésus a entendu ta prière. Au nom de Jésus! Fini! Là, c'est le feu! Voilà! Oh! Tu veux baptiser, frère? Ouais? Ce démon a déposé des œufs là-dedans. Cancer. Le Seigneur enlève tout ça. Donc, Jésus, non, ça arrête. Fini! C'est réglé. Amen. Oh! Le Seigneur nettoie ta vie, tu vas servir le Seigneur. Au nom de Yeshua, le Seigneur est sauveur. Car le Seigneur a fait pleurer dans ta journée. Notre Yeshua. Toujours nous fléchirai de la confiance pour le Seigneur, le Seigneur. Que Jésus est le Seigneur. Tu vas demander pardon, ma soeur, à toutes les mauvaises choses que tu as faites, tous ces hommes que tu as fait tomber. Car le Seigneur veut se servir de toi pour pouvoir libérer des jeunes filles comme toi. De prostituer des jeunes filles qui se livrent au péché, au mensonge, aux avortements, tout ça, dans le nom de Yeshua, le Seigneur et Sauveur, qui ont versé du sang en avortant, en levant ses enfants, en tuant ses enfants, au nom de Yeshua, le Seigneur et Sauveur. Oh, Jesus Christ. Et toi, je veux. Ne sont pas baptisés, vous voulez le baptême? Oui, venez, vous qui voulez le baptême ce soir, venez. On attend le Seigneur pour le baptême. Oh Seigneur, oh Dieu, oh Dieu, je suis là. Venez pour le baptême, venez. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour ma soeur. Merci pour ton onction, tu savais, l'onction sur elle. Le Seigneur la libère, la guérit, la restaure. Au nom de Yeshua, l'onction sur elle. Jesus. Il y a quelque chose qui s'en va. Il y a une chaîne que Dieu brise là. Maintenant, Jesus. Elle sort, elle sort. La puissance de Dieu. Oh Jesus. Oh Jesus. Quelque chose qui sort. Là, une malédiction par l'île de Dieu brise ce soir. Dans sa vie. Ça sort. Elle sort. Cette souffrance là dans son cœur là. Sort. Voilà, elle sort. Oh Jesus. Oh, Jesus. Sors! Quitte-la! Sors! Quitte! Allez, sors d'elle! Sors d'elle! Marie de nous! Elle sort! Allez, vraiment, elle sort! Sors! On a dépêché un démon de sa famille qui est venu depuis l'Afrique et qui la poursuit partout. Là, ça remonte. Qu'une sœur qui craint Dieu vienne toucher son ventre, ça sort. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Donc, pour le baptême, vous pouvez les prendre toutes les deux là pour parler avec elles, les sœurs, gloire à Dieu. Allez, remonte, sors, toi, la Marie de Dieu, allez, sors. Quitte ma sœur, quitte-la.
Oh Jesus. Oh Jesus. Alléluia, Jesus. Oh, c'est magnifique ce que le Seigneur fait. Les personnes qu'on aide par la médecine, venez. Oh, alléluia. Oh, magnifique Seigneur. Magnifique Seigneur, mon Dieu. Jesus. C'est bon, là. Hey, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Alléluia. Lève-toi, ma soeur. Voici ta délivrance, ton miracle, ta guérison, ta restauration. Lâche-la, 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 lâche-la. Nom de Yeshua. Jesus. Sors. Magnifique Seigneur, mon Dieu. Sois béni, sois délivré, mon Dieu. Chaud, Seigneur, le sauveur. Ce qu'on a prié pour vous, c'est bon, vous pouvez rentrer. Lâche-la. Sors. Sors, démon. Lâche-la. Voilà. Sors d'elle, sors d'elle. Voilà. Tu prends cette maladie, tu pars au nom de Yeshua. Quitte-la. C'est une malédiction, là. Il y a un panneau, là, écrit dessus, condamnation. Que le Seigneur le fasse dans vous, les choses, Seigneur, le sauveur. Alléluia, gloire à Dieu. Sors. Sors. Quitte-la. Prends cette maladie, sors. Voilà, démon. Sors d'elle. Voilà, sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle. Oh, c'est quelqu'un qui pratique la sorcellerie dans la famille, là, qui veut la tuer. On réclame son âme dans ta famille. On réclame son âme, tu vois. On réclame son âme. Et le Seigneur est en train de la libérer, là. Lâche-la, 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 lâche-la. Lâche-la. Sors d'elle. Je veux que tu la lâches. Sors d'elle, démon. Sors d'elle, voilà. Oh, là, il y a une grosse chaîne que Dieu est en train de briser. Tu vois ce démon là? Vous voyez ce démon? Il est en train de sortir. Pour quitter cette jeune fille là. Sors, sors, tu ne veux pas qu'on t'en sors, 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 quitte sa tête. Quitte sa tête, que tu tiens à l'église. Ils ont mis un chapeau mystique. Sors, sors d'elle. Chaque moment, le démon veut sa tête. Il veut sa tête. Il veut sa tête. Oh, mais maman, Dieu la délivre, t'inquiète pas. Tu vois, non? Maman, vous venez me voir à mon moment. Dieu aime maman, tu vois, non? Ben oui, parce que Dieu est en train de la délivrer, la guérir, la soigner. Tu vois? Ben oui, faut bénir Dieu. Ça va aller. Voilà. Gloire à Dieu, c'est bon, pas de problème. Alléluia. Seigneur, merci pour cet enfant. Qu'il soit restauré, guéri au nom de Yeshua. Gloire à Dieu. C'est cet enfant? Oh Seigneur, guéris cet enfant, mon Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sors! Quitte! Quitte ce corps! Quitte ce corps! Voilà! Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, mon Dieu. Ça va? Tu dors bien la nuit? Ouais? Tu peux venir avec ton mari? Voilà. Sors. Oh Seigneur, merci ma soeur, qu'elle soit libérée, qu'elle soit guérie au nom de Yeshua, le Seigneur le Sauveur. Waouh. Je vais le bénir par la main, je prie pour vous. Seigneur, nous brisons la puissance de la sorcellerie dans ce couple, au nom de Yeshua. Je brise la puissance de la magie maintenant. Allez, sortez, 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 quittez, quittez cette femme, quittez cet homme. Je dis quittez, quittez cette famille-là, quittez. Il y a deux démons en forme de crocodile qui tournent autour de ce couple-là. La puissance de Dieu vient briser cette chaîne avec laquelle on a attaché les deux, l'homme et la femme. Ah oui. Ah oui. Vous allez les lâcher aujourd'hui, là, au nom de Yeshua, c'est le sauveur, au nom de Yeshua. Jesus. Allez, sortez, allez, allez, sortez, sortez. Sortez, sortez. Il y a un esprit qui m'insulte là. Merci Père.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Au nom de Yeshua. Touchez là où vous avez mal. Le Seigneur vous guérit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça va, toi, tu es baptisé? C'est le deuxième appel. Bien. C'est un appel à ce service. Que tu le sers véritablement. Je demande de t'asseoir, le Seigneur ouvre l'intelligence que je suis devant Jésus de Nazareth. J'ouvre l'intelligence dans le nom de Yeshua, que tu es un privé de diplôme, que tu le sers au nom de Yeshua, le Seigneur le Sauveur, et que le Seigneur me dit que tu veux être ton papa. Ton père, ton père, ton père, ton père, il veut prendre soin de toi. Il veut prendre ton cœur l'amour du Père, la foule de l'amour du Père. Au nom de Yeshua, le Seigneur le Sauveur, alléluia, il y a une onction sur elle, le Seigneur va la restaurer là. Il y a des yeux qui se trouvent, que ce soit par rapport au Père là. Jesus! Pour la femme du Seigneur, pour elle. Ok, le Seigneur l'aime là. Le Seigneur la restaure au nom de Yeshua. Alléluia, gloire à Dieu. Magnifique Seigneur, magnifique Dieu. Alléluia. Oh, Saint-Esprit, merci. Merci pour ma soeur, Seigneur, bénis là. Au nom de Yeshua. Tous les enfants, venez. Les enfants de la soeur, venez. Seigneur, merci, bénis cette famille-là, au nom de Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Oh, Jésus Christ, alléluia, magnifique Seigneur. Oh, t'as vu comment il a pleuré là? Il s'est dit, maman, elle est partie là, ça y est là, c'est. Hein? Gloire à Dieu. Qui veut donner sa vie à Jésus-Christ? Qui veut recevoir Jésus-Christ dans son cœur? Alléluia. Merci, merci Seigneur. Merci, papa. Oh, c'est magnifique. Waouh. Et ce couple, il faut vraiment qu'on le reçoive, qu'on discute avec. Ça va, t'es pas choqué là, ça va? Non, tu n'as jamais vu ça? Ça choque, hein? Non, c'est dans la Bible tout ça. Ouais. Tu sais que toi, le Seigneur a mis une épreuve sur toi. Tu vas beaucoup voyager dans les pays pauvres, pays tropicaux. Et je te vois donner à manger, je te vois aider les pauvres, je te vois aider les gens. Tu es quelqu'un de droit, quelqu'un de correct, quelqu'un qui n'aime pas le désordre, quelqu'un qui n'aime pas la justice, tout ça, et tu aiderais tout le monde. Hein, voilà, c'est ton caractère, c'est ton cœur, et il y a tellement de questions aussi que je te pose, tout ça, et le Seigneur veut vraiment répondre à chacune d'elles, tout ça, et le Seigneur veut t'éclairer, il veut faire de toi une mère de beaucoup d'enfants, une mère qui va aider, qui va vraiment manifester l'amour, la joie, et le Seigneur veut vraiment particulièrement se révéler à toi, et comme un médecin, là, tu vas aider les gens, soigner les gens, tout ça, et être là comme pour défendre aussi les gens. Et le Seigneur te dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, au nom de Jésus-Christ, dans sa vie, alléluia, gloire à Dieu. Voilà, là vous avez mal, là, touchez, là vous avez mal, là, tout ça, là. Ça va, ma soeur? Oh, Seigneur, bénis ma soeur, il y a une onction sur elle. Oh, il y a une onction sur elle. Oh, c'est là, quand? Oui, viens. Viens, jeune fille. Oh, c'est ma chance sur elle. Dieu aime beaucoup ta maman. Oh, alléluia. Dieu enlève toutes ces blessures, ces souffrances. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, Dieu bénis ma soeur. Bénis cet enfant là pour les études. Là, au nom de Yeshua, notre Seigneur Sauveur. Ah, magnifique Seigneur. Oh, le Seigneur est en train de briser ses chaînes. Au nom de Yeshua. Oh. Wow. Papa Yomi, à la maison. Oh, cette femme a été beaucoup blessée, beaucoup déçue. Hein? Le Seigneur est en train de la restaurer ce soir. Vous voulez qu'on continue encore un autre jour, non? Vous voulez? Ouais. Alors, on continue quand, Jérémy? Mercredi et jeudi. Ok. Voilà. Voilà. Le baptême, tu vas le voir. Tu es baptisé, ma soeur? Non? Qu'est-ce que tu attends? Le Seigneur t'appelle. Dieu t'aime beaucoup. Ah oui. Il veut essuyer des larmes, tu sais. Viens, viens me voir. Je vais te dire. Oh, vous êtes ensemble? Le Seigneur t'appelle aussi dans son service, là. Tout ça, on a des choix. Il veut guérir ton cœur, là. Il y a beaucoup de choses qui t'arrivent que tu ne comprends pas. Il y a une chose qui sort, tout ça. Qui sort, là. Un héritage familial que Dieu brise ce soir, on a des choix. Quitte là, quitte ce corps, voilà. Tu m'entends, sors d'elle. Sors, on attend le Seigneur, c'est un démon qui sort. Sors d'elle.
serpent là, sort. Sort. Voilà, il y a un gros serpent là-haut. Il y a un gros serpent. Dieu dit, finis la musique de la danse. Tout ce qui est musique du monde, tout ce qui est machin, la compas, tout ce qui est, je ne sais pas quoi, la musique, tout ça. Tout ça, la sortie de nuit, là, tout ça, là, Dieu dit, toutes les deux, la sanctification, là, vous allez vous baptiser, là, et servir le Seigneur, bien que tu fasses. Finis le petit combat, là, tout ça, parce que fini, là, tout ça. Oh, c'est fini, c'est réglé, c'est bon, c'est réglé. Oh, c'est réglé. Oh, c'est réglé. Viens, 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 ma soeur. Dieu t'aime, tu sais, tu as vu tes pleurs, là, toutes ces souffrances, là, toutes ces douleurs, là, tout ça, dans ton corps, là, le Seigneur, aujourd'hui, enlève tout ça, là, au nom de Yeshua. Fini! 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 Ah, c'est réglé, c'est réglé. Là-bas, cours, cours, que jeune fille, là, tout ça, cours, 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 vite, cours, vite, ouais, cours, vite, ici, là. Au nom de Yeshua, le Seigneur, reste encore avec toi, là, Dieu. Voici l'onction de Dieu sur toi. Gloire à Dieu. Cours, cours vite. Et une onction sur moi, on va finir là parce que moi, une onction de Dieu, vous, il y a plus de déverse. Pour ma soeur, voici la puissance de Dieu. Elle est là. Oh, une onction, tout ça, au nom de Yeshua. Alléluia. Oh, que tiens, au nom de Yeshua. Tu sais que ton mariage ne sera rien. Grand mariage, tiens, au nom de Yeshua. Une onction, elle est là. Oh, tu vas me dire, gloire à Dieu. Oh, elle est là. Une onction ici sur moi, là. Voici la puissance de Dieu. Elle est là. Venez là, faites trois là. Votre maison sera une maison de prière, là, vos maisons, là, tout ça, là. Vous allez amener beaucoup de gens pour être restaurés, venez. Au nom de Yeshua, le Seigneur, le Sauveur, alléluia, gloire à Dieu. Oh, Saint-Esprit, merci, 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 papa, merci. Merci, bien, bien, bien. Venez, au nom de Yeshua, alléluia, venez, la puissance de Dieu est là. Voici la puissance de Dieu, elle est là. Oh, alléluia, voici la puissance de Dieu, elle est là. Voici la puissance de Dieu, une onction, sur moi, oh là. Alléluia, une onction, ici. Eric, viens, le mariage, là, Dieu te bénit, au nom de Yeshua. Alléluia. Tu avais la puissance de Dieu, elle était là. Oh, une action sur moi. Le Seigneur dit, tu vas te marier, tu vois des enfants, tout ça. Le Seigneur va essuyer des larmes. Tu vas confondre tes ennemis, tu vas témoigner partout au nom de Yeshua. Tu vas aider les orphelins en Haïti, là, un grand orphelinat là. Oh, alléluia, une action là. Là, une action, là, une action sur elle. Oh, la puissance de Dieu, une onction sur moi, là, mes amis, là. Oh, c'est la puissance de Dieu, elle est là. Une onction de Dieu, là. Une onction, là. Oh, alléluia, une onction ici, là. Oh, alléluia. Tu es une intercesseur d'une sainte que Dieu a établie, là, comme Ézéchiel, tout ça. Le Seigneur dit, ma fille, je t'aime. Et toute ta famille, le Seigneur dit, je vais la visiter, là. Je vais la visiter. Tu vas voir les conversions que tu n'as jamais vues, là. La puissance de l'esprit, le réveil arrive dans ta famille, là. Au nom de Dieu. Oh, tu as fait une onction ici, là. Oh, Jésus, oh, Jésus, Jésus. Ça veut dire, je guéris ton corps, mon fils, je guéris ton cœur, là. Tout ça, au nom de Yeshua, le Seigneur et le Sauveur. Le Seigneur t'a fait des promesses, là. Tu vas les voir se réaliser, là, une à une, là. Au nom de Yeshua, le Seigneur et le Sauveur, toutes ces promesses, toutes ces prophéties que tu as reçues, le Seigneur te dit, là, tu vas les voir s'accomplir, là, tout ça, là. Le Seigneur te dit, c'est moi qui t'enseigne, c'est moi qui suis ton enseignant, le Seigneur te dit, fortifie tes courage, au nom de Yeshua. Oh, une onction là. Et ça te dit, il est ton époux. Jesus. Oh, le feu de Dieu en elle là. Et le feu. Oh, alléluia. Et le feu de Dieu ce soir là, mes amis là, alléluia. Que tous les enfants de Dieu, mes amis, soient enflammés ce soir là. Au nom de Yeshua, je vous bénis. Oh, je vous bénis, mes amis là. Pour la petite de trois, venez ici. Oh, Jesus. Viens ici ensemble. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Et dès là, voici la puissance de Dieu. Voici la puissance de Dieu. Et une onction sur elle. Oh, Jésus. Et allez, une onction sur elle, mes amis, là. Voici la puissance de Dieu. Et là. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique. Allez, viens, sors. Viens ici. Oh, alléluia. Voici la puissance de Dieu. Et là. Oh, Jésus. Oh, la puissance de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Oh, Seigneur, sois béni. Le Seigneur te dit qu'il t'aime. C'est lui qui t'a attiré ici. L'ennemi veut te récupérer, l'ennemi te combat au niveau des pensées, tout ça là. Le Seigneur dit que c'est lui qui t'a sauvé. Il veut se révéler puissamment à toi. Il veut te montrer le chemin à suivre. Donc fortifie-toi. Il veut toucher encore ton entourage, tout ça là, au nom de Yeshua. Il veut briser la puissance de la timidité afin que tu parles, que tu témoignes de sa gloire au nom de Yeshua. Tu vas ouvrir ta bouche et le Seigneur va toucher les cœurs des gens. Tout ça au nom de Yeshua, le Seigneur le Sauveur. Prends courage, le Seigneur te dit là, fortifie-toi. Et je te vois escalader une montagne, tout ça. Le Seigneur dit, tu vas arriver jusqu'au sommet grâce à mon esprit.
Donc médite beaucoup sa parole et le Seigneur va briser toutes ces pensées de l'ennemi, t'envoie tout ça là, comme quoi tu ne vois rien, comme quoi le Seigneur est tellement loin de toi. Et Saint Jésus t'a fait des promesses et il va les réaliser, il va les accomplir au nom de Yeshua. En sortant ici, le Saint Jésus il change ta vie, il change ton histoire, il va de plus en plus te parler distinctement et tu sauras, tu connaîtras sa volonté au nom de Yeshua, notre Seigneur le Sauveur. Soyez bénis, fortifiés tous ensemble, mes amis, au nom de Yeshua, gloire à Dieu. On peut vraiment l'acclamer. Oh, ça sort. La dépendance à la fini, continue à la cigarette. Regarde là, tu as le mal, bouge, ça va être parti. Bouge, là, tu as le mal. Les couleurs, tout ça. Fais tes guéris là ce soir. Fais tes bons. Au Canada que Dieu va toucher
Nous bénissons Dieu pour les autorités canadiennes. Nous les bénissons au nom de Jésus de Nazareth. Nous bénissons tous les Canadiens et Canadiennes. Nous bénissons cette nation. Seigneur, épargne cette nation, mon Dieu. Père, au nom de Yeshua. Nous avons été accueillis ici. Nous bénissons notre pays, mon Dieu. Au nom de Yeshua, le Seigneur Sauveur. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Alléluia. 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 À la même place, à la même heure, à partir de 18h, et on se laissera conduire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Soyez bénis. Dieu est bon.